Salut les gars. Ça va quoi l'équipe? Ça va les petits plongistes? Ça va Alex? Ça va toi Ruben? Bah, ouais. En forme là? Mec ça va. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Ouais, grand plaisir. Merci à toi d'être venu. Grosse force à Matt, déjà un petit message, ça fait plaisir. Hein. Merci Arnaud. Un bel accueil. Salut Gabriel, salut Matt, comment ça va Matt? Wesh Tib. Les gars, est-ce que vous savez, comme on est deux là, j'ai pas le micro-casque. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la musique est pas trop forte parce que j'ai pas de retour? Est-ce que vous nous entendez correctement? Le son est bon, c'est parfait. Très bien, le son est nickel. Salut Yannis, salut Amtaro, ça va les gars? Eh ben c'est parfait ça. C'est un jeu lointain, mais ça va. Pingtonio, ça doit... c'est pas Tony Machin ça, non? Pingtonio? Non, je pense pas. Non, Pingtonio! Tonio. Yo Polio, comment ça Pingtonio, c'est un jeu lointain? Salut Clément, comment ça va? Vous êtes nombreux, ça fait plaisir les gars. Salut petit Bambi. Salut petit Bambi. Ça je connais, ça, je, connais. Je sais qui c'est tu ça. Tu connais ça? Ouais, ouais, c'est, ouais. C'est une private joke. Ça c'est une private joke, ouais. Ça, c'est ah, sois un peu lointain. Beau de France, merci Romain, j'apprécie le compliment. Yoensken, bienvenue à tous, bienvenue les petits plongistes, merci du follow, j'aimerais. Jérémy, j'imagine, bienvenue à toi. Alors, donc si le son est bon, le son un peu lointain, je peux augmenter un peu, mais je pense que on va pas faire des masses. Sinon on peut parler plus fort, mais... Non, je pense qu'on va être bien là. Alors, on va calmer le chat un peu, il va venir ici. Diminuer la musique, ok. Jonathan, les gars, mais salut Josias, ça va? Ah, c'est Joe. Ah oui, c'est le Joe. Si c'est le duo, merci Alex, t'as le bonjour d'Alex Mio. Ah, ça fait plaisir. Bon, bienvenue à tous les gars, merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir là pour ce premier live avec un invité de marque. Alors, je fais les derniers réglages, surtout la musique, on m'a demandé de baisser un peu. Ok, n'hésitez pas à faire des retours, hein, comme on est encore en phase de test là pour le live. Je sais que la qualité du micro, elle est quand même moins bonne. Comme on parle avec le micro de la caméra là, mais je pense que ça peut faire le job. Tout marche bien, c'est parfait, merci Draghi pour le retour. Donc alors, ceux qui suivent un peu les lives, on a changé de fond. Hein. Merci Dadou pour le follow. On a changé de fond puisque on était à Charenton sur les 3-4 lives, et là maintenant on est à Hennebon, Pink Center d'Hennebon. On les remercie, j'ai eu l'autorisation d'utiliser. Salut Robin, bonjour Alex, salut Dadou, merci du follow. Step up un peu de la salle, là, ouais. C'est la salle d'Enmo, exactement, Drag, exactement. Bon. Oh, attends, merci Pingtonio pour le beat. Alors, j'avoue que Twitch, je suis pas un grand spécialiste, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est sympa. Bon, Alex. Comment ça va, mec? Bah, écoute, ça va, hein. Ouais. En forme, hein. Fin de week-end, dimanche soir. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah écoute, hein, ça va, hein, là ça enchaîne un peu les matchs de pro, on a 4 matchs de suite qui arrivent là, tous les mardis. Tous les mardis, donc, ok. Donc voilà, on est chaud avec mon équipe de Rouen, on est pas mal, on est sur une bonne pente là. Combien vous êtes au classement? On doit être 4-5e, on avait fait un début de saison un peu timide, et puis là ça fait je crois 4 matchs de suite qu'on gagne, donc propre, ouais, une petite série. C'est bien, j'ai vu que t'avais pas joué. Le dernier match? Non, j'étais blessé là, les 3 derniers matchs. Ça te quitte pas les blessures, hein? Non, toujours là, toujours là. C'est surtout fou, ouais. Là pour une ampoule, quoi. Donc c'était. Ouais. Ça fait un peu chier de rater 3 matchs. Bon, c'est pas non plus. Une ampoule, mais ouais. J'avais mal, j'avais mal. Tu peux pas jouer. Ouais, tu peux pas jouer. Si t'es pas à 100%, déjà que c'est dur. Ouais. Ok. Et donc là, t'as match tous les mardis, ce qui veut dire que chaque semaine il y a un match. Ouais. Comment. Donc on y reviendra un peu plus tard, hein, mais. Comment tu fais pour gérer ton entraînement, ton repos, sachant qu'il y a match tous les mardis? Est-ce que tu t'entraînes le mardi par exemple? Ouais, le mardi du match, nous, bah, de toute façon, pour la plupart des joueurs de pro, ils s'entraînent. Enfin, nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est que là, on s'entraîne le lundi matin. Après, tu fais le déplacement pour aller dans ton club ou à l'extérieur. Après, tu tapes un peu la balle dans la salle où tu vas jouer le lundi soir. Et puis après, mardi matin, pareil, okay. Tu retapes la balle et le mardi soir, c'est le match. Hein. Et donc, après, tu dors la balle lundi soir? Ouais, tu dors la balle lundi soir, okay. Un jour avant. Et c'est quelle heure les matchs de pro le soir? 19h30. Certains endroits c'est 19, mais la plupart c'est 19h30. Ok, très bien. Et t'arrives pas trop à rincer? Tu joues lundi matin, lundi soir, mardi matin? Non, après c'est pas des grosses séances. Non, c'est pas des grosses séances, c'est surtout plus pour avoir des sensations, pour un peu checker la salle, les balles, les tables, un peu avoir des sensations, ouais. Et puis c'est pas non plus, t'essayes de pas te mettre dans le rouge sur ces séances qui précèdent. Donc quand t'as match de pro à l'extérieur, c'est la même routine? Ouais, c'est pareil, bah là tu vois demain on va à Morez.
Ouais, Donc donc mardi à Morez. entraînement le matin, après on prend, il y a le minibus qui vient du club, il nous prend, on fait 5 heures de route, après on tape un Ok. peu la balle le soir et Mais après ça toi du part. coup, puisque on peut dire, Alex habite en région parisienne, du coup tu fais, ce que tu entraînes à l'INSEP. Ouais. Donc tu fais, pour chaque déplacement, tu fais train jusqu'à Rouen. Voiture, moi j'ai ma voiture donc Ah. je prends l'équipe, là du coup Alexandre Cassin, Lilian et Robert Gardos, donc je les prends les trois. Ok. Ouais, Je fais un peu le taxi quoi, on peut ouais. m'appeler le taximan T'es de un bon gars, Rouen t'es un bon quoi, gars. j'ai cette casquette là quoi, donc je les prends tous, en fait je les amène à Rouen, et puis après le match pareil je les ramène, on est tous à peu près dans le même Ok, secteur tu vois. mais du coup, c'est après c'est quelqu'un qui vous conduit en minibus de Rouen Là sur les à déplacements, à l'extérieur? l'extérieur ouais, sur Ok. ce genre de long déplacement, moi je prends pas ma Ouais, ça voiture, comme va. ça on prend juste le minibus. Lilian Bardet, Lilian ça va ou Bardet quoi qui Lilian? rejoint Vincent Picard, Morez avec un cœur. Il y a du monde là, ça fait plaisir les gars. Ouais, c'est cool, merci à tous là. Matt, il dit, je viens d'aller vérifier, le SP Rouen est troisième au classement. Ouais, après Ok. y a des autres équipes qui ont des matchs en retard. C'est pour ça que j'ai dit cinquième pour, entre guillemets, tu vois, une équipe comme Morez qui était censée être devant. Bon là ils ont pris 3-0, mais bon, il y a des équipes qui ont un peu moins de matchs que nous et qui sont à un point de nous. Donc classement, on est plus cinquième que troisième. Mais Ok, troisième ça me va, hein, donc ouais, c'est beau, attention. c'est beau. Avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, là, ceux qui sont sur le live, concrètement, qui ça intéresse les matchs de pro en France, pro A ou pro B, qui les regarde scrupuleusement? C'est une vraie question parce que moi, je pense personnellement qu'il y a mieux à faire sur la com et sur la médiatisation de la pro. Je sais que ça hype pas grand monde, malheureusement. Je sais pas ton ressenti, toi, en tant que joueur. Je sais pas, après, Est-ce que vous avez du monde déjà à domicile ou à l'extérieur, est-ce qu'il y a du monde qui vient dans la salle? nous à Rouen, on est quand même considéré que sur être un club qui a quand même pas mal de monde. Tu vois. On a réussi là sur la Romagne, ils disaient 570 entrées, il me semble. Pas mal. C'est pas mal. Sur les playoffs l'année dernière qu'on a fait, je crois qu'ils étaient aux alentours de 800, donc quasi une salle complète. Ce qui est Ouais. pas mal quand même sur ce qui C'est se fait beau, en c'est beau. pro ces dernières années. Tu vois. Enfin, je veux dire, il y a N'Bon qui avait un peu de monde, mais sinon, je pense, je dirais en moyenne, on est aux alentours de 400 personnes de Ouais, c'est moyenne, tu bien, hein. vois. 400 personnes de moyenne. Après, tu vas dans des clubs comme Moret, bah forcément le panel de personnes qui vient te voir, c'est pas, il y a moins de monde. Il y a certaines Oui, salles où oui. tu sais Forcément, que, les villes sont moins grandes, les ouais. clubs, c'est sûr. On a dit petits merci pour vos Mais retours, les après, gars. pour revenir sur la hype un peu de la pro, je sais pas aussi par rapport à celle de WTT. Est-ce que WTT, il y a vraiment une hype autour de ça Ouais, aussi? alors, c'est une question qui va arriver, ça, un peu plus tard. Donc, ouais, là, si on regarde les retours des gens du chat. Pro, ouais, sur le jeu de la Fédé, Pro B, trop compliqué à suivre pour les lives, ok. Les matchs vidéo, c'est moins bien qu'en vrai. Ok, Yanis, donc je t'encourage à aller te déplacer dans les salles, du coup. Ah ouais, chaud. Alex, notre modo qui nous dit mardi c'est souvent compliqué, c'est vrai le mardi soir, et puis on a Ouais. entraînement club aussi, Ouais, tu ça c'est vois. plus un. Je sais pas, c'est un peu dans les mœurs, tu vois. Ça a toujours été le mardi soir. Après, c'est vrai que moi, je vois pas pourquoi ce serait pas, je sais pas, vendredi soir, tu vois. Vendredi Ouais. soir, tu finis ta Ou semaine. dimanche, non? Dimanche, ouais, pourquoi pas dimanche aussi. Là, dimanche, nous, on a été à Chartres. Apparemment, ils ont fait une de leurs meilleures influences. Regarde les matchs de foot, si on prend la Ligue 1, C'est c'est dimanche soir, vendredi, hein. samedi et Ouais, dimanche beaucoup. bien sûr. Parce que toute la semaine on est en entraînement club, on a en compète aussi, on a des matchs Mais ouais, c'est plus le dans les samedi, mœurs, ça a notamment, que toujours le été comme ça dimanche. a toujours été le mardi soir. Ouais, mais c'est vrai. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien. Moi, je comprends pas trop l'intérêt de jouer le mardi soir. C'est sûr, vendredi ou dimanche, ça me paraîtrait plus cohérent. Tu vois, tu finis ta semaine de taf, bah voilà, tu vas te détendre, tu vas regarder ton petit match de Ouais, c'est ping-pong, ça, c'est tu ça. vois, avec les collègues Mais ou... je te rejoins là-dessus, franchement, je te rejoins bien là-dessus. Alors, il y a déjà des questions pour Alex, on va les prendre un peu plus tard. Parce que je pense, alors moi j'ai commencé le ping en 2005, donc forcément je te connais, mais il y en a qui sont plus jeunes, qui ne te connaissent pas forcément, ou du moins très peu. Est-ce que tu peux retracer un peu ton parcours sportif rapidement, hein, Ouais, 5-10 je te fais. minutes, comment tu as commencé, où tu as commencé, les grosses étapes pour toi? Je sais que tu as fait pas mal, tu as eu des titres champion de France en jeune, tu as fait pas mal d'équipes, enfin au CEJ avec l'équipe de France en jeune. Est-ce que tu peux nous refaire un petit topo là-dessus? Ouais, bah écoute, moi j'ai toujours été entre guillemets dans le circuit fédéral, c'est-à-dire que j'ai fait Pôle Espoir et Île-de-France. Alors, t'as commencé où? J'ai commencé à Maison Alfort. Ok. Mon premier club, ça a été à Maison Maison Alfort. Alfort, big up les gars. Gros big up à Maison Alfort, c'est très important. Big up, big up. Premier message à faire passer, c'est celui-là. Très bien. Maison Alfort, la plus belle ville de France. Ah, Donc voilà, j'ai commencé là-bas. ouais, quel âge t'as commencé? J'ai commencé à 6 ans, 5-6 ans. Donc toi, Donc assez tôt. t'es Hein. même, la même année que moi, t'es 95. 95, ouais. Donc 2000, 2000 t'étais dans une salle, quoi. Ouais, directement, Salle de ping 2000. ouais. Ouais. Comment t'as commencé? J'ai commencé parce que mon père y jouait, du coup mon frère aussi. Ouais. Il s'est mis, et puis moi en fait, j'ai été amené à Donc prendre la cette famille, raquette. donc papa, puis Quentin, puis Ouais, toi. puis moi, ouais, Ok. exactement.
Ton père, il jouait à un niveau correct ou Ouais, niveau amateur, il était, je sais pas, ça correspond départemental? à 25, Ah, 18, c'est tu bien. vois. Ouais, Ah, c'est un ça bon joue niveau pas trop déjà. mal, quoi. Il se débrouillait, ouais. C'est un bon niveau. D'ailleurs, j'ai beaucoup de discussions avec les potes entraîneurs. Et pour nous, alors ça, c'est un grand débat. Je pense pas qu'on pourra le traiter aujourd'hui. Mais pour nous, un mec qui commence à savoir jouer vraiment au ping, c'est le classement à 18, tu vois. Ok, ouais, Voilà. c'est la Et target, c'est quoi. voilà, c'est l'ancien 25 en fait. Avant ça, c'est un petit Bambi, et après, tu commences à. Non, parce que les mecs 14-15, tu sais faire un service, tu sais faire un top spin et tout. Mais le 18, le 25, c'était le. Quand nous on a commencé, même toi qui as été très vite fort, 25 c'était un classement que tu voulais avoir direct, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ou l'autre target, c'était numéro. Ou quand tu rentres numéro, Ouais. là, tu sens Mais le vraiment. 25, moi j'étais content d'être Ouais, 25, tu t'étais vois. bien, ok. Bon, ça c'est une parenthèse. Ok, donc Maison Alfort 2005. Comment se passe ta détection un peu? Comment tu te fais repérer? Est-ce que tu performes direct? Tu fais des compètes directes? Bon, après, c'est les, ouais, c'est les compètes Interdep, selon les classements, Championnat de France Benjamin. Moi, j'ai fait Championnat de France Benjamin, donc j'ai été repéré très Ok. tôt en structure, ce qui m'a permis d'intégrer après le Pôle Espoir Île-de-France. Donc à Paris, j'étais en internat, je suis rentré en 6e en C'était Thomas internat. Mann à l'époque, c'est Thomas ça? Mann, Ouais. ouais, dans un collège en fait, qui faisait internat. Donc en fait, on habitait la semaine, tu arrivais le lundi matin, tu faisais ta journée de cours, et puis après, tu intégrais l'internat le soir. On allait s'entraîner tous les jours après les cours. On prenait le bus avec, on était, je sais pas, 8 à peu près, Ouais. des garçons, des filles, Il y à avait qui avec toi? Saint-Jacques-en-Laye. T'as des noms un peu qui ont continué? Bah, j'ai Mehdi Bouloussa Ouais, qui bien était avec sûr. moi, il y avait Antoine Achard aussi, c'est des mecs un peu de région de France, Ouais. j'avais Ibrahima Diop. Bon, que des mecs qui font encore du ping à bon Ouais, qui sont à niveau. peu près là. Bon, après, il y a aussi Bon, il y a eu des pertes, hein, mais. Gaël Bossard, Ouais. en fille, Elodie Lefranc. Ah ouais, ok. Tu vois, elles n'ont pas forcément percé, mais elles étaient quand même là. Elles ont fait un peu le même parcours que moi à ce Ok. moment-là. Après, elles se sont arrêtées plus tôt, mais. Les entraîneurs à l'époque du pôle C'était Pascal Île-de-France, Bibeau. Pascal Pascal Bibeau, Bibeau et ok. Denis Michelotto. Donc, Pascal Bibeau qui a été quand même sélectionneuse de l'équipe de Ouais, France. qui est toujours à la Fédé d'ailleurs. Qui bosse toujours pour la Fédé, ouais. Et Denis Michelotto qui est parti à l'étranger après, je Qui est crois. parti en Belgique, qui Ouais. entraînait donc l'équipe nationale belge quand même, et puis qui maintenant, je crois, est plus sur une mission, qui est revenu en France, et qui a une mission fédérale, je ne sais pas exactement Ok. laquelle c'est. Ok. Salut à tous, hein, ceux qui nous rejoignent. On est avec Alex, Roby. Donc, tu fais des bons résultats aux Interdep, sur les compétitions régionales. Tu Ouais. fais champion de France sur ton Benjamin. Ouais, ça Tu c'est. intègres le pôle Espoir Île-de-France. Jusqu'à quand tu fais le pôle? Je fais 6e, 5e au Pôle Espoir Donc Île-de-France. minimum, minimum 2. Ouais, Ok. après là, tu vois, tu fais les indives, bah, tu fais championnat de France, donc minime. Et là, en fait, bah, tu fais des beaux résultats. Donc après, le next step que j'ai intégré, c'est le Pôle France de Nantes. Donc là, c'est quelque chose de fédéral, c'est plus régional, c'est Ouais. fédéral. Donc là, c'est le Pôle France Tu de rentres dans le Nantes. circuit et c'est en cadet, t'intègres direct là-bas? Ouais, cadet, donc Cadet, hein. 5, ouais, 4e, Quatrième. 3e Ok. que j'ai fait là-bas. Donc c'est précoce. Comment t'as vécu un peu ce. Parce que c'est pas facile de quitter. Alors, Quentin il a eu un peu la même trajectoire que toi. Ouais, pas exactement. Ouais. Quentin, lui, il a été repéré beaucoup plus tard. Parce que Ok. lui, il est resté à Maison Alfort jusqu'à. Il a intégré directement l'INSEP, Quentin. Ah, il est pas passé par Pôle Non, France? Ok. non, non, il a fait ni Pôle Espoir Île-de-France, ni. Si, il a fait le Pôle France de Nantes, non, c'est n'importe quoi. Ok. Il a fait le Pôle France de Nantes où il a été 1 ou 2 ans. Mais il est directement allé à Nantes parce qu'il a eu des résultats un peu plus Ouais. tardifs que moi. Ok. Et après, ça l'a projeté vers l'INSEP. Ça marche. Et donc, est-ce que tu étais chaud, toi, direct, pour aller sur les structures, pour t'entraîner, quitter les parents, quitter le grand frère, la ville Ouais, moi j'ai toujours été, ça m'a pas Ouais. dérangé. Bon, je t'avoue qu'au début, tu vois, le premier Ah, t'es soir, petit, tout sixième, t'es petit, petit, t'es en ouais. 6e, le premier soir, moi je m'en souviens, j'avais mon portable à clapet, tu vois, Motorola, tu vois, j'appelle mon père le premier soir. C'était quand même un collège, entre guillemets, pas mal fréquenté, mais Ouais, c'est pas fou. c'est un internat, donc les personnes que tu côtoies, c'est pas les gens qui rentrent à la maison à 17h où maman elle prépare à manger, tu vois, donc c'est Ouais. quand même un peu chaud. Après, c'était rien de fou, mais je me souviens d'avoir appelé mon père Ça le fait une premier diff soir, par rapport à nos enfants. à moitié avec les yeux en pleurs, tu Ouais. vois. Donc au début, c'est pas facile, mais en fait, après, quand tu t'y habitues, ça c'est dans la continuité. Et je me souviens pas, en fait, m'être posé la question, avoir remis en question ça, le parcours. Ok. À quel moment tu t'es dit que tu voulais faire ça de ta vie? Oh, franchement, au début, je savais même pas que c'était professionnel le ping-pong Ouais. quand j'ai commencé. Donc après, c'est arrivé surtout sur les premiers contrats où tu vois que tu gagnes un peu d'argent. Je me souviens, c'était quoi mon premier contrat? J'étais à Rouen quand j'ai fait en Pro B. Ah mais t'étais déjà senior. Non, en Pro B, j'étais. J'arrivais Ah t'étais à jeune. 2009. Donc Bah ouais. ma première saison en Pro B, 2009. Donc T'es j'avais que ouais, 14 ans, 14-7 c'était hein. KD2, il me semble. Ouais c'est ça. Donc Ah ouais c'est ok, ah premier c'est contrat, jeune. tu vois, je me souviens, c'était. C'est là où tu te dis, tu peux toucher un peu d'argent. Je crois que mon premier contrat, c'était un truc.
c'était 6 000 euros, il me semble. C'était des remboursements de factures pour payer, aider mes parents à payer l'INSEP. Donc c'est là où tu te dis, moi j'y pensais même pas à l'époque, je savais même pas. Donc ça veut dire qu'avant cadet, tu fais, c'est le ping, c'est ta passion, mais il y a Ouais, plaisir complet. Moi, rien. je sais même pas si moi mes parents ils savaient que ça pouvait mener un jour sur quelque chose, mais moi en tout cas non, pas du tout. Donc c'est important, je trouve que c'est important ce que tu dis sur le plaisir en fait de jouer. Ouais. Au-delà de penser à avoir une carrière de pro, d'être top, alors bien sûr, faut y penser, faut avoir l'envie, mais je pense que si t'as pas la passion et si t'aimes pas le sport, difficile Bah surtout au début, hein. d'aller loin, Après quoi. quand tu commences à être fort, tu peux considérer ça plus comme un taf. Ouais, Mais c'est quand t'es ça. au début, si t'as 14 ans et que t'aimes pas ça, bah ça sert à rien, autant Ouais. arrêter, tu vois. Ok. Et donc, t'es pour France de Nantes en cadet. J'étais 5, 4e, 3e là-bas, Ouais. donc au CNED, tu vois, Ouais, les bien cours à sûr, à distance avec des profs distance. Donc, je suis en qui viennent nous cadet. donner des cours. Ouais. Ah, parce que, ouais, ok. Parce que maintenant, je crois que le Pôle France de Nantes a un peu changé. Ouais, là c'est que t'es complètement réformé, je crois Je crois ils qu'ils ont ont un nouveau démodé. CREPS, ils ont des Ouais, non, mais. installations de fou. Nous à l'époque c'était pas ça. Hein. Ouais. Nous C'est l'ancienne c'était. salle, Ouais, plus le c'était. parquet, non? Ouais, l'ancienne salle, mais au-delà de la salle, c'était le CREPS, quoi. C'était. Ouais. Bah c'était À un l'ancienne. tout petit à l'ancienne, tu vois. C'était pas maintenant, hein. C'est une Ouais, super c'est beau, c'est structure. beau. Ok, après, donc après Cadet 2. Donc après Cadet Dernier 2, junior. après Nantes. Donc en cadet, il me semble que je dois faire. Donc c'est surtout le gros pas que certains ont eu du mal à sauter, c'est le pas de passer de Nantes à l'INSEP. Ça, c'est quand même un pas qui est pas facile. Moi, j'ai pas eu trop de mal parce que j'ai eu des résultats en cadet. J'ai toujours fait les championnats d'Europe, que ce soit en cadet 2. Donc la question, il me semble que l'année où je vais à l'INSEP, il me semble que je suis le seul à venir à l'INSEP De ta de ma génération, ouais. génération. Donc il y avait des gens de ma génération comme Tristan Flore ou Enzo Anglès qui étaient partis un an avant. Moi, j'étais resté et donc cette année-là, il n'y avait que moi qui avais fait la bascule Nantes-INSEP. Donc je rentre à l'INSEP à 16 ans, il me semble, donc en Ok, seconde. ouais, j'y viens, ouais. Ouais, seconde, première, terminale, je fais tous mes cours à l'INSEP. Donc là, tu rentres sur une nouvelle structure. Pour moi, ça allait, l'intégration s'est bien passée parce qu'il y avait mon frère qui était déjà là-bas. Donc Et lui, surtout, c'est pas loin de c'est juste à ton côté domicile de chez mes base. parents, Bah ouais, ouais, exactement. ça fait du bien de revoir un peu. Donc je pouvais rentrer le week-end, mes parents, s'ils doivent t'amener à manger ou de laver tes affaires, tu vois, ils étaient là juste à Ouais, côté, non, tu fais c'est qu'un plus billet de resté, quoi. voiture, ça c'est quand même. Ok. Au niveau de tes résultats un peu Europe et sur le circuit international, donc je crois que tu es sélectionné au CEJ pas mal de fois. Ouais, j'ai fait Championnat donc d'Europe jeune. cadet 2, après j'ai fait junior 2 et Donc moins de junior 15, 3. tu es en équipe de France. Ouais. Moins de 19, tu es en équipe de France plusieurs fois. Cadet, j'étais 2 européens. Après en junior, j'étais un peu moins bon, je devais être 7, 8. Donc J2, J3, je fais les championnats d'Europe aussi avec la France. Par contre, j'ai pas eu moi des résultats au niveau championnat d'Europe. Je sais que dans ma génération, il y en a eu beaucoup, des Ouais, c'est médailles ou vrai. quoi. On les a gagnés en par équipe, mais j'ai pas fait T'es de champion médailles. d'Europe par équipe. Champion d'Europe par équipe, ouais, et en double, il me Sympa. semble que j'ai fait une demi ou une finale, mais pas en indiv. Contrairement à, ouais, je pense à Tristan Flore qui lui est champion d'Europe indiv, ou même Antonin Char qui avait fait une médaille, ou Et les années d'avant, qui Simon a tout Gauzy, ouais, raflé. bien sûr, même Quentin qui était très C'est fort vrai, champion dans d'Europe junior les, aussi. ouais, champion d'Europe junior. Donc, Ouais, t'as pas eu, ouais. moi j'ai eu T'as pas eu peut-être ces cette, non, j'ai titres-là. eu peut-être cette période-là un peu plus creuse sur les années juniors. J'avais aussi un retard de croissance, tu vois, qui m'a fait quand même. Moi j'étais J1, J2, je faisais peut-être. Les autres ils avaient 16-17 ans, moi j'en faisais peut-être Ouais. 14-13 quoi, donc c'était Un peu plus compliqué de matcher léger. sur ce domaine-là quoi. Ouais, ça joue, ça joue. Ça explique, je pense, un petit peu pourquoi sur cette période-là j'étais peut-être un peu moins bien que les autres de ma génération. Ok, et donc tu rentres à l'INSEP, t'étais à Rouen déjà? À l'INSEP? J'étais non Tu t'as fait des années avec Cébrino, si je dis pas de bêtises? j'ai fait 2 ans à Rouen quand j'étais à l'INSEP, et après je suis allé à IC Moulineaux Ouais. un an en Pro A. Ensuite j'ai fait un an à Tu Istres, jouais en pro? Ouais. ouais, IC Moulineaux je jouais. J'ai fait un an à Istres en Pro A aussi, et après je suis allé à Chartres où j'ai fait 4 Ah ans. oui, c'est vrai, Chartres, c'est vrai. Chartres Donc où je t'avais vu, t'avais dépanné en M1. c'est vrai? Petite anecdote. Ok, et donc ça veut dire. Alors attends. Tu finis tes années junior, t'es à l'INSEP, t'es à quel club? T'es à Chartres? Donc début d'année junior, j'étais à Issy-les-Moulineaux, Istres, et puis après quand je passe senior, c'est là où je passe à Ok, Chartres. donc là tu fais tes 4 années à Chartres. Ouais. Si je dis pas. Quand t'es champion de France 2018, là, senior, c'est Chartres, non? Ouais, voilà. C'est Chartres, ouais. Donc c'est il n'y a pas longtemps. Et après 2019, c'est Rouen. Après c'est Rouen à partir de Ok, 2019 jusqu'à depuis. maintenant, c'est là. Très bien. Une petite question de petit Louis-Nicolas, tu regrettes? Tu veux qu'on
Plutôt plus tard, non? Comme tu veux, comme c'est toi le modérateur, c'est pas moi. Hein. On y répondra plus tard, Nico. Mais merci de ta question, on y répond un peu plus tard. Reste sur le live, du coup. Ok, bon, merci pour cette petite chronologie. J'ai eu pas mal... Enfin, je sais que les gens se demandent à chaque fois avec quoi les pros ils jouent. Comme matos. Comme matos. Toi, je sais que t'étais très longtemps sponsorisé par T-Bar. Ouais. Très très longtemps. Ça s'est arrêté il y a pas mal... quelques années. T'as eu d'autres sponsors, notamment... un sponsor popping, ouais, qui s'appelle Yonex. Yonex. Ouais, après c'était pas vraiment, en fait j'ai eu donc, toute ma première partie de carrière c'était T-Bar. C'était même, pour être précis, c'était même TK Sport, je crois. TK Sport, ouais. Au début, donc c'était avec quelqu'un qui était revendeur. Ensuite je suis passé chez T-Bar jusqu'à, il me semble, fin Covid. Avec T-Bar, alors c'était pas la balle de plastique encore, mais tu jouais avec quoi quand je jouais avec Pro Evolution MXP. Les MXP quand même. Ouais, c'était sorti déjà. Ouais, c'était sorti. Ah, et avant ça, Genius, je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'était les Sinus. Les... Ouais, ouais, Sinus, Genius, voilà, okay. Ça. J'avais une Sinus en vert et une Genius en coup droit, j'en souviens. Donc Evolution MXP, ok. Après, ouais. Et en bois ? Et en bois, j'avais le Samson of Alpha, j'en souviens. C'était T-Bar aussi. Ouais, T-Bar aussi. Ok. Et arrive après le moment où. Donc ton compte, ouais, T-Bar s'arrête. Ou T-Bar, non, c'est que moi je décide de partir de T-Bar. Ok. Parce que bah, le matériel, je m'y retrouvais pas. Je. Est-ce que ça correspond pas aussi avec le changement de balle ou l'arrêt de la colle rapide, des choses comme ça? Non, en fait, moi, c'est que j'avais l'impression que T-Bar, il me donnait pas forcément les meilleures plaques possibles. Okay. Parce que je sais que j'avais d'autres gens. En fait, il faut savoir que sur les matos, Donick, T-Bar, Stiga, Geo maintenant, enfin, toutes ces marques-là, elles sont sur le même lieu. Ouais, ISN, ça s'appelle en Allemagne. Et en fait, c'est eux qui gèrent toute la qualité, toute la production. En fait, c'est les mêmes plaques. Tout est les mêmes, à part Butterfly qui ont eux leur. Enfin, importante, hein, les gars. Un info très important. Ouais. Hein. Donc à part Butterfly qui eux ont leur propre usine, en fait toutes ces marques là c'est la même chose. Donc et en fait j'avais des collègues à moi qui jouaient avec des plaques donc qui étaient super bonnes, Donick notamment. Mm-hmm. Et moi en fait je demandais les mêmes modèles que ceux-là et en fait ils me les donnaient pas, donc ça me rendait fou. C'était parce que j'adorais les plaques des autres, mais les miennes bah j'aimais pas quoi. Ça plongeait. Ça c'était les MXP. Les MXP, okay. Ouais, ça me convenait pas et ça me prenait la tête. T'arrives à l'entraînement, tu fais une faute à cause de ça, ça te rend fou. Et en plus, je devais changer mes plaques tous les 3 jours, sinon après c'était mort. Ouais. Enfin, c'était horrible. Et... Alors, petite parenthèse, je te coupe, excuse. Là, Alex, il décrit quand même un phénomène le matériel ne m'aide pas à jouer correctement. Faut savoir que dans la plupart des cas, quand même, surtout sur les niveaux départemental, régional, etc., c'est plus le joueur, hein, que le matos. Ouais, mais même pour moi, des fois, c'était peut-être, ouais, c'était peut-être moins. Hein, mais faites attention à ça, faites attention à ça. Enfin, c'est mon avis après, mais il vaut mieux essayer de garder un peu le même matos longtemps et voir vraiment en effet que ça vous convient pas, ça vous convient pas, plutôt que changer toutes les 2 semaines. Vous n'avez pas essayé assez longtemps, la plaque n'avait pas le temps de se faire. Voilà. Oui, surtout que maintenant, il faut préciser aussi que le matériel, c'est quand même vachement. Ça s'est rapproché. Moi, je me souviens qu'à l'époque, Butterfly était, ouais, vraiment là-haut et tout en bas, ouais. Et il y a eu quand même un gap qui s'est fait où ça s'est quand même vachement rapproché. Les Ténergies, quand elles sont sorties, c'était vraiment révolutionnaire. Moi, je me souviens, je jouais avec ça. C'était incroyable. C'était incroyable. Ouais. Les 64. Ouais, donc tu changeais de plaque tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Et ça, rien n'y faisait. Non, c'était, bah, ça me, j'aimais pas. Enfin, je sentais que ça allait pas. C'était peut-être mental, mais en tout cas, ouais, je sentais que ça allait pas. Donc t'arrêtes T-Bar. J'arrête T-Bar. Je décide donc, je me suis dit à partir du moment où j'arrête T-Bar, donc je décide de rompre mon contrat, qui était un contrat quand même où j'avais quand même pas mal d'argent. Ouais, ouais. Donc décision quand même difficile à prendre, parce que quand même, c'est ton avenir, tu vois. C'est quand même une grosse marque, T-Bar. Donc je décide d'arrêter et donc si j'arrête, pour moi c'était je devais jouer avec le meilleur matos possible. Tu vois, j'allais pas quitter T-Bar pour aller jouer avec Donick. C'est la même chose, enfin à peu près. Oui, oui, oui. Donc je décide de jouer avec du Butter. Et quand je me dis ça, c'est au moment où il y a les Dignic 05 et Dignic 09C. Donc j'en parle à Butterfly, donc à Christophe Legout qui est responsable de Butterfly. Donc pour avoir un contrat, pour moi c'était l'objectif, c'était juste d'avoir au moins le matos payé pour qu'au moins moi ça soit tranquille au niveau de mon entraînement, j'ai les bonnes plaques et que je me prenne plus trop la tête. Donc au final Chris il me dit que bah là c'est, on peut voir sur les Butterfly, ils ont rompu quasi tous les contrats qu'ils avaient avec les joueurs, donc ils ont changé complètement de stratégie. Avant ils avaient beaucoup de joueurs, maintenant ils ont quasi plus personne. Il me semble qu'en ce moment, maintenant, il n'y a plus que Alexis Kourachi, je crois. Chez les juniors, tu parles même chez, bah, je te parle même les seniors. Hein. Il y a Pritika Pavad, mais bon, c'est, ouais, une fille. Si, il y a en fille, il y a les Agatha Bzou, par exemple, qui est chez, ouais, Butter. Il y a, c'est vrai que quand en mec, j'essaie de me dire, il y avait Lilian Bardet, justement, qui était là, mais il n'est plus avec.
J'ai vu ton message, Arnaud. Ouais, Lyon était le buteur. C'est vrai Ils avaient que. énormément de monde, hein. Je t'ai dit Quentin, ils avaient Antoine Achard, ils avaient Benjamin Brossier, Mais après, à Orja l'inverse, Landrieux, tu vois, ils ouais. avaient plein de joueurs et ils ont tout. À, au haut niveau, il y a un peu l'inverse. Il y a beaucoup de joueurs chez Butter. Sur, bah, par exemple, Ah oui, Ovtcharov qui part de chez Donik pour aller chez ouais, Butter. sur les meilleurs mondiaux, mais en fait c'est ça, ils se sont Ouais. concentrés en fait sur que les mecs qui étaient bankable et que les mecs qui Bah, allaient entre Félix guillemets. Alexis était chez Butter il n'y a Voilà. pas Qui longtemps. allaient, et puis bah, d'ailleurs, ils sont partis parce que même Ouais. enfin, Butterfly n'a pas fait les efforts, je pense, pour les garder. Je pense qu'ils ne savaient pas aussi que ça allait partir comme ça. Ils n'avaient pas flairé le coup. Ok. Et donc là, actuellement, avec quoi tu joues et t'en es où au niveau sponsoring Bah, là, actuellement, je suis avec donc, la Dignix09C et Ok. chez Butter. Donc, De côté. de côté avec Max. Max, ah ouais, bon, avec le Bo Arimoto. Ok. Donc, une super plaque, franchement, rien à dire sur Les le. 0,9 ciel sont un peu plus tendres que les 0,5, c'est ça? Non, elles sont plus dures, C'est les plus c'est une plaque dures. chinoise, ouais. Ah, c'est presque les C'est une chinoises, ok. hybride en fait, Ouais, c'est ça. c'est. C'est top sheet chinois et mousse européenne. Ouais, c'est Ok. ça, exactement. Avec tu sais, les petits films plastiques pour bien Ouais. garder l'accroche Ok. quand tu ranges la raquette. D'accord. Donc, non, une super plaque, Arimoto, franchement. c'est un bois carbone, tu sais? Ouais, c'est un bois Ouais, c'est carbone. carbone. Ouais, ça doit être une catapulte Ouais, alors. c'est une catapulte. Ouais. Ok. Mais après, les 09C, c'est. Entre guillemets, ça part un peu moins que les Dignis 05. Mais par contre, il y a plus ce truc d'accroche, par Ouais, exemple, si t'es placé et que tu service t'engages. remise. Voilà, il faut quand même, avec les Dings 09C, il faut quand même physiquement être fit Ouais. pour qu'elle parte. Sinon, c'est compliqué. Ok. Et comment ça se passe parce que t'es pas sponsorisé par Butter? Non. Non, bah du Comment tu coup, gères ça? bah maintenant, moi j'ai décidé, pour pas me prendre la tête, c'est pour te dire à quel point je suis un malade de plaques. C'est que bah moi j'achète mes plaques. C'est vrai? Ouais, j'achète mes plaques. Après, j'essaye de. Quand j'étais sponsorisé Yonex, bah du coup, il m'aidait à financer une partie de mes plaques d'une manière. Et là, en fait, j'essaie de trouver. Je suis justement en discussion avec certains sponsors pour, mais qui sont pas du coup en rapport avec des marques de tennis de table Ouais. communes quoi qu'on connaît aujourd'hui pour essayer de financer mes plaques. Après, moi, c'est un choix que j'ai fait. Ok. Et puis pour essayer de jouer avec le meilleur matos et me poser le moins de questions possible. Ok. Et donc là, par exemple, si tu fais les France Seniors cette année, tes maillots, ça sera quoi? Actuellement, je pourrais jouer avec le maillot de Neymar, je pense, hein. Actuellement, pour l'instant, j'ai pas de. Non, pas de contrat, Maillot rien club, quoi. du tout. Maillot club ou même ce que je veux, en Ouais, ce que fait. tu veux, ouais. Si tu me donnes un maillot par Longping, Allez, à et tout pourquoi moment. pas? Et pourquoi pas? Et moi je le sais parce que je te connais un peu, mais tu avais lancé quand même une entreprise entre guillemets pour te financer ça? On peut en Ouais, parler? j'avais lancé du coup, une Une asso, assos, ouais. entre guillemets, pour entre guillemets m'aider à financer mon projet sportif. Mais au final, c'était plus pour financer les compétitions internationales que pour financer mon matos. Parce qu'au Ok. final, mon matos, honnêtement, c'est quand même quelque chose qui coûte, ça coûte cher. Mais c'est quand on parle quand même de plaques Butter qui durent quand même assez longtemps dans le temps. Et j'utilise pas pour financer ma raquette. C'était vraiment pour financer mes compétitions internationales auxquelles j'ai pas pu. Bah, du coup, j'ai pas repris entre guillemets les compétitions internationales parce que j'ai eu plein de blessures pour diverses raisons. La course au jeu où c'est trop tard. Mais en tout cas, de base, le projet, c'était surtout la création de cette asso, c'était pour financer mon Ok. projet Comment international. elle s'appelle la sauce? Elle s'appelle Pink Passion Robino. Pink Passion Robino. Elle est encore Elle est d'actualité? un peu dormante là. Ouais, ça y Elle est un est. peu dormante, ouais. Parce qu'à l'époque, on pouvait donner un peu. Ouais, mais c'était surtout pour le projet international. Ouais. C'était vraiment dédié pour ça, c'était pas Ok. pour le revêtement. Bah, si un jour tu relances, Bon, avec on plaisir, même. partagera. Arnaud, petite question. Je te la prends parce qu'elle m'intéresse. Ton budget à l'année de plaques, du coup. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu changeais tous les. Ouais. Enfin, à l'époque de départ, tu changeais tous les 3 jours. Là, je pense que tu peux pas te le permettre avec les butters. Non, non. Et puis surtout, il n'y a pas besoin en Et il y fait. a mon Comme besoin. la qualité, Est-ce elle que est tu là, arrives à quoi. jauger un peu ton budget que tu mets sur Ouais. l'équipement? Ouais, franchement. À l'année, je te dirais une plaque, ça me tient bien 2-3 semaines. Donc on rappelle les Dignix, les tiennes, hein, les 09C, elles sont à 80 Elles sont à 80. euros, donc 160 le jeu. Ça pique quand même, Ils blaguent pas, butter. hein. Ouais. Ils blaguent pas. Donc, tu as 160 euros de jeu. Tu changes combien de temps du coup? Tous les combien? J'ai un collègue Camille. Ouais, paddle. Jérém Petiot, excuse-moi mon Jérém, c'est vrai que t'étais aussi chez Butter. Pardon. Ah, c'est Jérôme Petiot Ouais. quand même. Et, ok. Gros joueur de call-off, attention. Ah ouais, il envoie un peu au Ah, call-off. faut pas se trouver dans son viseur, hein. Tu prends une tête directement. Ouais, donc les plaques butter, les Dignix là. Les plaques Butter, Comment tu ouais. gères? Donc c'est à peu près, bah, j'essaie de les garder au maximum, hein. Forcément, ça me fait pas plaisir de lâcher 160 balles à chaque fois que j'utilise un jeu de plaques. Mais donc ça, je dirais, si je devais doser sur une année,
Je dirais qu'avec 10 paires, je peux m'en sortir. Donc ça fait 800-1006. Ouais. Avec, si tu prends, allez, deux bois, un bois, un bois. Ouais, le bois, tu... Ouais, ça le va. Bois, c'est... Bon, il... À part si tu mets un plan en match, mais... Ouais, ouais, bah, ouais. Bah, je mets pas le plan. Ah non. Si vous avez du matos qui coûte cher, les gars, tu me verras. Bah, alors, tenez-vous là, à carreau. Alors là, maintenant, tu me verras jamais abîmer ma plaque ou casser mon bois. Impossible, ouais. Non, c'est... Bah, de façon générale, tu n'as jamais été un joueur trop nerveux. Non, mais j'avais quand même la raquette qui partait beaucoup plus facilement quand j'étais chez Tiba, on va pas se mentir. Ah ouais. Ah bah ouais. Donc là, non. Mais bon, je t'ai jamais vu, à défaut d'autres joueurs français qu'on connaît et qu'on a pu voir craquer, je t'ai jamais vu non plus péter des bons plombs. Mais c'est tout à ton honneur. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. C'est très bien. Non, donc je dirais 2000 euros, je pense, on est. 2000 à l'année, et du coup, tu changes tous les mois à peu près? Ça dépend des matchs, tu vois. Là, par exemple, il y a 4 matchs qui s'enchaînent. Donc je pense que pour ces 4 matchs, je vais utiliser, je dirais, 2 paires, je pense. Donc sur le mois de décembre, par exemple, ça sera 2 paires. Mais après, ça se régule sur l'année. Ça se régule sur l'année, tu vois. Donc, en plus, il y a des périodes en décembre où tu joues un peu moins, notamment sur la fin, les fêtes, l'été où tu joues peut-être un peu moins aussi. Donc, ouais, je dirais 2000 euros à l'année, pour dire. Ok. On parle juste matos, ouais, pour jouer, ce qui est le plus important. Oui, oui, pas textile là. Et est-ce que du coup, tu as une raquette d'entraînement pour pas abîmer tes plaques de match? Ouais, t'essayes un peu de faire. Moi, j'ai deux bois, donc t'essayes un peu de. Ouais, donc quand elles sont un peu abîmées, tu les recolles sur l'autre bois. Et... Ouais, en fait, c'est ça. C'est ma raquette. Par exemple, là, je vais coller une nouvelle plaque pour le match de demain. Donc, je vais l'utiliser pour le match. Mais après, dans la semaine, j'essaierai de faire genre une séance où je joue avec ma vraie raquette. Et après, peut-être deux séances où je joue avec mon autre, ouais, où c'est des plaques un peu plus usées. Tu vois, t'essayes de un peu gérer le truc comme ça pour. Que ta raquette elle perd pas trop en efficacité sur la durée. Ouais, ça tient plus longtemps dans le temps. Hein. Ouais. C'est une petite technique un peu de rat, tu vois. Mais ça marche. J'ai vu même, pour les connaisseurs de ping, il y en a qui la collent dans l'autre sens. Ouais, les Asiatiques souvent, ils font ça pour regarder, parce qu'on touche la balle plus tôt. J'ai pas de raquette là, mais. Ouais, tu touches la balle plus haut, voilà. Du coup tu tournes en fait, c'est et ça, du coup en fait, moi je sais jamais passer là-dessus. Parce que. C'est une petite technique quand même, c'est pas si facile à faire. Ouais, ouais. C'est pas... Coups, ouais. Arnaud, si tu nous regardes, je sais que t'aimes bien... Enfin, toi, je sais pas si t'aimes bien le faire, mais t'en as connu. Il y a des questions qui m'intéressent, je les prends comme ça. Ouais. Gabriel nous demande, t'en fais quoi de tes plaques après? Donc, une fois que tu les as utilisées pour les matchs, tu les réutilises pour ton entraînement. Une fois qu'elles sont là, puisque potentiellement, elles sont encore utilisables pour joueurs, pour nous, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah moi, franchement, la totalité de mon matos, j'essaie de le donner après. Tu vois. C'est-à-dire que là, mes plaques usées, je les donne soit à des gens que je connais, des entraîneurs de club, qui utilisent par exemple Alexis Mio, qui est entraîneur besoin de force, je lui ai donné des plaques. Même à Rouen, j'ai déjà passé des plaques. Ou alors, j'ai mon ancien coach de Chartres aussi, Kaline Thomas, qui était... quand je vais à Chartres, par exemple, je lui donne, je sais pas moi, 10 paires. Quand j'étais notamment chez Tibar, où j'avais énormément de plaques, comme je collais tous les 3 jours, bah, j'avais plein de plaques. Au final, elles n'étaient pas usées pour des débutants ou quoi. Donc, je donne l'exclusivité de mon matos. T'es un mec sympa. Ouais, bah, on distribue même cool. Au niveau textile. Là, il y a mon père qui est parti à La Réunion il y a 10 jours. Et bah, il a emmené une valise entière de textile pour donner un peu aux jeunes là-bas. C'est cool, c'est tu vois. Ouais, c'est bien. C'est sympa. C'est bien, tu vas me retrouver avec des Réunionnais qui ont les mêmes envies. Et du coup, ouais, donc pareil, pour la question, c'est pour ton textile. Tous tes maillots sponsor T-Bar, tes trucs Yonex qu'on a eu aussi, ils deviennent quoi? Ils dorment un peu. Hein. ils dorment un peu. Après, on a quand même pas mal de sollicitations. Je dois en donner 6, 8 à l'année, tu vois, des maillots. Donc au final, comme ça fait un moment que je suis trop sponsorisé, donc j'en donne beaucoup. Ouais, ouais. Donc là, au final, ça se vide un petit peu, mais c'est pas grave, c'est des maillots que j'utilise pas forcément. Bah, c'est cool, hein. Ouais. Cool de ta part. Alex en a beaucoup, ouais, bah, j'imagine. J'imagine. Si t'es mal, c'est moyen de gratter une plaque, j'en veux. Jean-Bernard Gaming, j'adore ton pseudo. Il nous demande, tu sens la différence entre des plaques un peu usées et des plaques vraiment neuves? Ouais, bien sûr. Ouais. Ah oui, sinon tu changerais pas. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, après, surtout avec les plaques avec lesquelles moi je joue. En fait, c'est une plaque chinoise à la base. En fait, plus tu joues avec, plus c'est une plaque entre guillemets qui devient un peu plus une plaque européenne. Tu perds cette accroche et ce truc-là de... Comment ça se traduit quand tu touches la balle dans la raquette, par exemple? Elle part moins vite, elle tombe moins... C'est au niveau de l'effet, ouais. Sur l'effet. Au niveau de l'effet, ouais. T'accroches au service. Ouais, t'as une remise surtout, je trouve, là où tu vois, où tu sens le plus, c'est tu vois, quand tu viens piquer une balle avec la nouvelle plaque, bah, tu sens que ça va vraiment rentrer dans ta raquette et choper l'effet, alors que bah, quand c'est une plaque un peu plus usée, bah, tu vas être un peu moins précis. En fait, ça va être ta qualité de balle. C'est pas tant la vitesse, ou c'est surtout au niveau de la qualité de balle où tu sens que tu vas être plus... C'est important à voir au niveau quand même. Au niveau, ça joue vachement à ça. Ouais. Tu regarderas les mecs à haut niveau. Si tu regardes un mec comme les deux Lebrun, quand ils jouent en revers, la balle elle est à ça de la ligne de fond et puis elle tourne. Donc au final, les mecs ils peuvent pas s'appuyer dessus, en fait, c'est trop dur. Donc ça, c'est des petits détails mais qui sont importants. D'ailleurs, je sais que eux,
ils changent assez régulièrement leur plaque aussi parce que bah du coup c'est important, tu vois, tout à ce niveau-là, il y a tellement des petits détails. Je pense qu'ils sont bien. Non, ça, je pense que niveau matos, je niveau pense qu'ils ils sont pas mal. Ils ont ce qu'il faut. Donc tu nous as raconté un peu ta semaine type, ton matos, ok. Donc tu t'entraînes à l'INSEP, tu as un match le mardi en général. Au club, ça se passe bien. Est-ce que sur ta carrière, et même actuellement, tu as eu une... Ça serait intéressant de le savoir en France et à l'international. Est-ce que tu as eu une bête noire, un peu un joueur que tu as très peu réussi à battre, que quand tu le voyais sur ton tableau, tu n'étais pas content? Je dirais sur le plan français, c'est pas... j'ai jamais eu un mec que j'ai perdu tout le temps ou quoi sur le plan français. Le seul que j'avais quasi très peu battu qui est ma génération, mais je ne l'ai pas joué tant de fois, c'est peut-être Tristan Flore. Mais je ne l'ai pas joué beaucoup de fois. J'ai dû jouer sur les catégories jeunes, je sais pas, j'ai dû jouer peut-être 10 fois, je l'ai perdu 8 fois, tu vois. Et là, je l'ai battu cette année en pro, donc ça fait plaisir, pour pas mentir. Ouais. Et je dirais en ce moment, un joueur que j'ai joué deux fois régulièrement, où j'ai pris vraiment deux branlées, et ça m'arrive très rarement sur un joueur d'avoir aucune chance comme ça, c'est Lynn Anders. Ah, le gaucher le gaucher qui fait des remises comme ça, ou qui sert super bien. Ou vraiment, c'est. Je ne kiffe pas son jeu, quoi. Pour ceux qui ont suivi la tierlist, on l'a mis dans surcoté, lui. Ouais, parce qu'il est 30 mondial. Ouais, mais crois-moi, quand on passe. C'est pas tant. Après, si tu t'en sors en service remis, ça va. Mais si tu n'en sors pas en service remise, c'est une galère. Ah ouais. Ouais, c'est une galère. Il y a trop de qualité dans sa balle, dans son service, dans sa remise. Si t'es pas. Il est buteur, lui, non, d'ailleurs. Il est Donic. Et Donic, il joue avec les plaques hybrides, il me semble, Donic. Ok. Ok, très bien. Est-ce que tu as, avant tes matchs de pro ou avant les France, ou même quand tu étais jeune, avant les championnats d'Europe jeunes ou des choses comme ça, des petits rituels d'avant-match que tu mettais en place, ce qu'on appelle des ancrages ou des petits. Est-ce que tu as une petite routine à toi? Les rituels d'avant-match, moi j'ai un cahier où tu vois, j'ai quelques petits trucs, quelques petites notes que moi je prends, que ce soit des sensations que j'ai ressenties pendant l'entraînement ou des petits trucs que je me suis dit qui ont bien marché pendant mes matchs précédents. Sur les adversaires, par exemple? Pas forcément sur mes adversaires, j'ai pas de données, moi je prends pas de données sur mes adversaires, c'est quelque chose qui est très important et je sais qu'il y en a certains qui le font, moi perso je le fais avec pas. Avec la vidéo notamment. Ouais, bien sûr, il y en a beaucoup qui tu le font. Tu filmes toi? Tu filmes tes matchs? Je les regarde beaucoup sur les lives après, tu vois, mais j'ai pas forcément une caméra. Après, notre coach à Rouen prend les matchs. Mais donc moi c'est surtout, je mets un peu de musique, je regarde un peu mon cahier de ping où j'ai un peu tous mes trucs notés. Et je me mets un peu dans ma bulle là-dessus. C'est pas un rituel exceptionnel, mais je m'échauffe physiquement. Est-ce que si ça, tu le fais pas avant tes matchs, t'es pas bien? Non, non, je suis pas quelqu'un hyper superstitieux. Ouais. Je l'étais plutôt quand j'étais jeune, où j'avais un caleçon. Je mettais le même caleçon. On connaît. Ouais, les genres de ping, c'est un peu cintré de toute façon. Donc, avant, j'avais vachement ça. Je sais qu'il y en a des joueurs que je connais qui sont superstitieux. Ouais, ouais. Donc, ça soit comme ça. Ouais, faut que ça soit tout le temps, sinon tu leur changes un petit truc et puis ça part en vrille. Mais non, moi je suis pas quelqu'un d'hyper superstitieux. Après, j'aime bien quand même avoir, si je peux avoir ma routine, bah je la fais, tu vois. Mais sinon, non, okay. En général. Ok, ok. Petite question comme ça, tu donnes le service ou tu gardes toi? Moi je le donne toujours. Tu donnes? Ouais, toujours. Pour avoir un 9-9 à la belle? Même pas, c'est même pas pour ça en fait. Moi je me dis que si je le donne au premier set, et que je lui carre le premier set, et bah du coup en fait j'attaque le deuxième set avec mon service. Ouais, okay. Et en fait là, si t'arrives à gagner le premier set et que directement tu mets la pression en menant 2-0 au deuxième, bah il y a moyen de faire un petit truc, tu vois. Parce que tu gagnes le premier et en plus tu mènes au deuxième, t'augmentes vraiment. Enfin, imagines, tu mènes 1-0-5-1, bah t'es bien. En 3 gagnants, ça va très très vite. Peut-être en 4 gagnants, un peu moins. Ouais, en 4 gagnants, c'est beaucoup moins important. Ouais. Mais après, c'est juste quelque chose comme ça que moi je fais tout le temps. Moi je le donne tout le temps en tout cas. Ok, intéressant. Petit big up à Julien, je vois le travail du pivot, c'est un collègue à moi qui m'enseigne un peu le pivot, quoi. Even Toxic, très joli pseudo. Le mauvais fait est sur la défaite à coup sûr, c'est clair, on connaît tous les caleçons, les maillots. Ouais, y a tout le monde a des trucs comme ça. Et je pense, et encore, je te dis, moi, le caleçon, honnêtement, je pense qu'il y en a, c'est bien pire que ça. Il y en a, ils sont bien matrixés par. C'est clair, c'est clair. Ok, alors. Autre question, et avec tes peurs de blessures aussi notamment, je pense que ça n'a pas été facile dans la tête. Comment tu gères tes défaites, comment tu gères tes périodes de blessures, d'absence, de périodes de bad en fait tout simplement. Mais notamment si on se concentre plus, si je sens plus la question sur les défaites de ping. Comment tu les gères? Sur mes défaites, en soi, t'analyses un peu comment tu as joué, tu vois ce qui a pas marché. En soi, moi je trouve gérer les défaites, c'est assez simple. Souvent, moi, quand je finis un match, je sais pourquoi j'ai perdu, je sais pourquoi j'ai gagné.
Donc ça c'est bah tu vas à l'entraînement par exemple je sais pas moi sur un mec comme Linders que je joue bah je pars mis en service Là, tu l'as joué là, il y a pas je longtemps? l'ai joué en On peut pro sur regarder deux peut-être? matchs Ça te dit ou ah pas? tu si tu veux te régaler sur des remises ratées tu C'est peux vrai? On va regarder vite fait. tu peux regarder ouais et sinon après moi c'est surtout sur gérer la blessure mais on en parlera après je sais pas si là, C'était je en pense pro? c'est en pro ouais, je pense qu'il faut que tu ailles sur le ça c'est sur le ah, bon mais pas celui-là c'est plutôt sur le dernier il faut que tu ailles sur Et celui-là, c'est intéressant celui-là ou pas? Bah celui-là c'est peut-être moins visible après je vais sur le live de Canron. Oh ouais, ça va être compliqué. Ok. Tu gagnes ou tu perds le match Ah là? je perds alors, 3-0. Ah, et ça, cette remise là. Moi, c'était bien ça. Ouais alors là par exemple tu après là j'ai vraiment fait pas un très bon match. Autant quand je le joue sur Caen, je fais un peu un meilleur match. Mais c'est vraiment remise où j'ai pêché. Là, c'est je me suis fait dominer franchement de A à Z. C'est que là, tu me tortures. Regardez ça. Ok, on va arrêter. On va arrêter, on va arrêter, on va arrêter. Ça me permet aussi Tu vois, de. service là, par exemple, il est exceptionnel. Oh là là, c'était pas beau ça. Hein. Non, non, franchement, là, match compliqué. Hein. Ouais. Ok. Tu vois, double service. Hein, De quoi? une double service. Là, regarde, là, c'est il m'en fait un, après, il m'en fait un deuxième. Là c'est le premier, et là il y a le Là, deuxième tu qui le remets pas arrive. le premier là? Le premier je le pousse, parce qu'en fait il sert long son service, il est hyper coupé. Et en fait je sais qu'en le démarrant c'est compliqué, je peux faire des fautes. Donc j'essaie de le pousser pour après installer mon jeu de bloc, mais c'est compliqué. Tu vois celui-là il est sabré, il est hyper coupé. Quoi. Donc je le remets bien, après je me fais contrer. Et là tu vois je me dis bon bah je sais qu'il va galérer sur le service court coup droit. Donc je vais venir en revers et en fait il me double le service long et là, je suis complètement pris Ouais, après ça coupe quoi. direct. Ouais. Tu vas voir là, puis le double. Ah oui, Il le ouais. double et après pas beau quoi. Ok. Intéressant, intéressant. Very good. Ok, donc toi, la défaite, ça va, tu gères Ouais, c'est plutôt plutôt, bien. c'est Même plutôt malgré la les... pression. Non, ça, la défaite, c'est plutôt la période de blessure qui est compliquée. Ouais. Ouais, la période de blessure où quand ça fait trop, c'est trop au bout d'un moment. Et en fait, la motivation, après, tu l'as, elle est compliquée à garder. Quand tu te blesses pour la sixième fois, tu vois, au bout d'un moment, les efforts ne sont Ça plus... t'a pas épargné en plus. Ouais, au bout d'un moment, aller à la salle le lendemain quand t'es blessé, c'est compliqué, tu vois. Donc, j'ai eu des périodes où, tu vois, après la blessure, bah, tu restes chez toi, tu t'enfermes, tu joues à la play. Et après... Avec le temps, bah, de toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé d'avancer. Mais ouais, les périodes de blessures, c'est compliqué. Franchement, ça, à tous les joueurs qui ont eu de nombreuses blessures, ils l'ont connu, je pense. Mais moi, j'ai pas été épargné, surtout ces derniers temps. Et au bout d'un moment, la motivation, elle prend un coup, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ok, bah merci pour ces réponses. C'est intéressant de se dire que tu peux servir long à force Ouais, et à force et à se forcer pousser. à pousser. Après, franchement, c'est pas quelque chose que je recommande. On me dit toujours service long, tu prends le premier démarrage direct, ouais. Moi, hein. Ouais, en soi, idéalement, je suis d'accord. Mais en fait, le truc, c'est que quand le service long, si tu le rates deux fois sur trois, bah, vaut mieux peut-être pousser. Mais honnêtement, moi, je pars du principe où un service long, faut quand même le démarrer. C'est juste que là, je savais que c'était un Ouais. service qui allait, et Après, j'ai surtout en début de tendance à. match. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, j'ai tendance à dire que maintenant, avec le changement de balle, le jeu de contre est quand même plus facile. Ouais. Les balles tournent un peu moins, donc tu peux plus te permettre de pousser des services longs, surtout s'ils ont coupé, et de bloquer derrière ou de contrer, tu vois. Ça se voit plus. Ouais, J'ai après. en tête Alexis Lebrun, par exemple, il aime bien pousser ici, là. Ouais, mais après, au niveau, ça joue tellement fort, en fait, les mecs sur les premières, que peut-être là, avec les balles sont plus rondes, c'est plus facile d'installer son jeu de contre, mais tu regarderas quand même que, à part Malon, qui a vraiment un jeu de bloc qui est vraiment performant, Félix qui donne aussi quand même pas mal d'initiatives pour repasser au-dessus, mais c'est pas pour moi, c'est même pas du contre qu'il fait, en fait. C'est il reprend l'initiative directement sur la première, donc. Je suis pas certain que au final le jeu de contre ça soit quelque chose qui est vachement recherché par les jeunes joueurs aujourd'hui qui montent au niveau quoi. Idéalement avoir le premier démarrage comme à l'époque c'est quand même mieux. Ah ouais? Ouais. Ok, moi tu vois, on a un peu des avis différents là-dessus, parce Ouais. que je Bah après trouve moi c'est que. ma philosophie de Ouais, jeu, tu non vois. mais. Mais c'est très bien de démarrer sur le service long, mais je trouve que c'est moins grave qu'à l'époque de la balle Ouais, ça c'est dynamique, sûr. Non tu mais c'est vois? sûr. Par contre, ça c'est certain. Tu C'est moins regardes à grave. l'époque quand ils avaient la 38. Ouais, non, Le là, mec il cherchait l'initiative absolument et tu mettais le premier démarrage bas dans le coup droit, t'es sûr que Tu l'autre mettais la fumette, il te mettait un pigeon quoi. c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est clair. Ok, sur. Petite question, ça te plaît le chat? Ouais, ça plaît, j'aime bien. Salut ça, salut Yann, ça va les gars? Gabriel, on répondra aux questions de. Gardez vos questions là dans 5-10 minutes. On répond à toutes les questions du chat.
Thibaut aussi, c'est côté d'outils sportifs, là, on y répond juste après, ok. L'histoire du sponsoring, notion, bah, on va y répondre, même s'il a déjà répondu à Alex à l'instant. Imagine demain, tu es entraîneur de ping. On va parler de l'après d'ailleurs, mais imagine demain, tu es entraîneur, tu as des joueurs, joue Ouais. bien. Quelle hygiène de vie tu leur recommandes? Des joueurs de quel âge? Du collège, lycée, début de senior. Alors après, quand ils sont adultes, ça y est, mais. Bon, après collège, lycée, de toute façon, c'est T'as, ok, compliqué. t'as un gamin qui est au collège, 3e, 4e, il est top 10 France. Bon, après, pour moi, quand t'es au collège, bah, c'est simple, tu sors pas, tu bois pas, tu fumes pas, tu te couches tôt, enfin, Ouais. l'idéal, quoi. Et ces questions, elles se posent surtout. Alors, par exemple, jeux vidéo, oui ou non? Ouais, tu peux pas priver quelqu'un de jouer aux jeux vidéo. Moi, je sais que je joue aux jeux vidéo quand j'avais 14-15 ans. Après, faut pas que ce soit dans l'excès et que tu C'est restes ça. toute la nuit dessus. Idéalement, faut essayer d'arriver à dormir quand même 8 heures par nuit, tu vois. Surtout à cet âge-là où quand même tu es en plein développement. Donc, idéalement, faut quand même pas jouer toute la nuit. Mais en soi, je pense que si c'est limité, tu peux te permettre de jouer un petit peu et te détendre. C'est pas quelque chose qui est Ok. archi néfaste, quoi. Après, c'est surtout quand tu es plus âgé où là, il y a plus de tentations extérieures. Et là, c'est là où il faut faire vraiment le tri, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on évite? Bon, après, chacun gère comme il veut, hein. Après, de toute façon, tout ce que tu fais par excès, c'est mauvais. Donc, partant du principe Je que suis d'accord. l'excès est mauvais. Donc, que ça soit la bouffe, que ça soit les sorties, que ça soit l'alcool, que ça soit le tabac, que ça soit tout, tout est mauvais. Par excès, tu peux te permettre de temps en temps de faire Ouais, je suis d'accord, une petite bière, un petit voilà, truc. tu vois. Mais si tu le fais par excès régulièrement, tu vas le payer au bout d'un moment. Et puis. J'avais lu une interview de Hugo Lang à l'époque, je crois, qui disait que Malong, ça lui arrivait de boire une bière à la veille des matchs ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, j'avais aussi entendu Ouais. que Ovtcharov il prenait un shot de vodka avant ce match. Après, Avant! je sais pas si c'est vrai. Juste Ouais. avant! Oh, j'y crois rien, ça. Ouais. Bah, en soi, ouais, ça le détendait, je sais pas. Donc ça, je Ok. sais. Après ça, je sais pas. Perso, moi, avant mes matchs, Ouais, non, non. impossible que je me prenne un shot ou même une bière après à la fin du tournoi, non. Enfin, si, quand le tournoi est fini. Mais Ouais. pas quand je joue Mais encore. non, c'est pas impossible, mais bon, faut vraiment faire attention. Bah, non. Idéalement, je pense que. Bah, vaut mieux pas le faire, hein. Ouais. Clairement, clairement, clairement. Je sais aussi. Je sais aussi que tu as été entraîné beaucoup à l'étranger, Ouais. notamment à la Werner Schlager Academy en Autriche, mais pas que. Tu as été. J'ai été à l'étranger, j'étais à Schlager Academy Ouais. et en France, j'étais à Villeneuve-sur-Lot. Ouais, Je suis dans le parti sud. pendant 2 ans. Et à l'étranger, tu as fait que l'Autriche, du coup. Ouais, que Ok. l'Autriche, ouais. Après, j'ai fait quelques petits stages dans d'autres structures, mais régulièrement, j'étais qu'en Autriche, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Schlager Academy? Bien, pas bien, les méthodes d'entraînement, les grosses différences, des trucs bons à prendre? Bah, franchement, moi, je me suis régalé là-bas, c'était cool. C'est juste, c'est un environnement différent. Tu y vas vraiment pour le ping, quoi. Tu y vas pas pour l'extérieur. Mais moi, c'était complètement différent de ce qui se passait à l'INSEP à l'époque. Donc, c'était des entraîneurs complètement différents, mais des entraîneurs quand même reconnus sur le plan international. Et c'est T'as surtout. des noms ou... Bah après, ouais, il y avait Richard Prause Ah ouais, qui a été Bol, sélectionneur T-Mobile. sélectionneur de l'Allemagne pendant longtemps, donc lui était là-bas. T-Mobile, Donc ça, intéressant c'était quand lui. même cool. Ouais. Après, Dirk Wagner, mais c'est des gens qui sont un peu plus dans l'ombre, qui sont connus quand tu fais les sorties internationales, qui sont spécialistes, mais quand des gens en France qui le connaissent, je pense pas. Mais c'était quand même des bons entraîneurs. Et surtout, il y avait un panel de joueurs internationaux, tu vois, que ce soit des Marcos Freitas, Montero. Il y avait l'équipe d'Autriche, donc Gardos. Il y avait des Tchèques qui étaient là-bas. En fait, on avait un panel de joueurs dans le top 100 T'étais le mondial. seul français? Ouais, non, j'étais avec Marie Migaud à l'époque. Ok. Elle était là-bas aussi. Ok. Donc elle était avant que j'arrive. Et c'était surtout ça, t'avais une relance qui était énorme et c'était vachement beaucoup plus individualisé, contrairement à ce qui se faisait à l'INSEP à l'époque. Tu payais, j'imagine. Ouais, tu payais. Après, c'était un système aussi qui était un peu traître parce que c'était en fonction de ton placement mondial où tu payais. Moi, parce que j'étais, il me semble, dans le top 150, tu payais à peu près 2500 euros à l'année, ce qui n'est pas excessif en Ça soi. va? Ouais, ce qui n'est pas excessif. Nourri, Hein. logé, Non, non, rien. Ah, rien, que Entraînement. l'entraînement. Entraînement, après, tu devais Ok. te démerder pour Ouais. payer ton appart et tout. Ok. Mais l'entraînement, c'était 2500 euros à l'année, pour moi en tout cas. Mais non, bonne Ça expérience aurait été là-bas, dingue, franchement. 2500. Ouais, non, le nourrissage est impossible, surtout à Vienne. Ok. Et est-ce que tu as une méthode un peu d'entraînement qui t'a marqué, qui vraiment change de la France? Bah, c'était surtout à l'époque, je pense que la France maintenant a vachement changé avec l'arrivée des Lebrun. C'était que c'était beaucoup plus individualisé en fait. C'était chaque, je me souviens, on n'avait pas de groupe en fait. C'était chacun t'arrivait, tu faisais ta séance.
Tu faisais, c'était prévu, tu faisais tes 3 exos, tu montais en physique avec le prépa physique. Ok, mais t'avais pas un entraîneur qui disait les exos? Non. Si, t'avais un entraîneur qui te planifiait ta séance, tu vois. Il disait, bah voilà, je pense que toi, il faut que tu travailles ça pour ton jeu. Ok. Et il arrivait avec tes entraînements, ton entraînement spécialisé. Et toi, Ah, il arrivait avec les exos quand même. et toi, tu Ah, ok. faisais les exos. Après, c'était pas tout le Tu temps comme demandais ça. à l'autre de bloquer et puis toi, c'était Ouais, parti. voilà, bah après, c'est chacun à ses 10 minutes, tu vois. Si tu fais 10 minutes pour toi, tu fais 10 minutes pour l'autre. Et après, toi, après, il l'imposait pas. C'est-à-dire, c'était pas toutes les séances comme ça. Mais il arrivait quand même avec une petite idée de ce que tu vas faire, quoi. Il arrivait pas juste là et te dire, bah ton coup droit, ça va pas. Non, tu vois, il avait quand même un plan dans la tête. Et c'est surtout au niveau du. Comment ils géraient l'entraînement, eux, c'était beaucoup plus individualisé. Mais maintenant, en France, c'est ce qu'ils essayent vachement de reproduire, que ce soit à Montpellier avec les deux frères Lebrun, que ce soit même à l'INSEP maintenant, où ils ont vachement changé par rapport à ça. L'INSEP, c'était quand même un groupe, même à Nantes, quand le Pôle France de Nantes, ça fonctionnait vraiment par groupe. Et je pense que c'était bien quand t'es jeune, mais quand t'arrives dans le monde des seniors, bah, c'est quelque chose où l'individuel, je pense que ça marche mieux, comme le tennis, tu vois. C'est des sports où, si tu veux te développer idéalement, bah, tu peux pas mettre. Le groupe en premier. Il faut que tu mettes l'accent sur ton travail individuel. Ok. Et sur les routines, par exemple, l'échauffement physique avant, après, en Autriche. L'échauffement physique? Ouais, par exemple, avant. Est-ce que t'avais un échauffement avant une séance? Ouais, il y avait un mec qui est le préparateur physique qui faisait l'échauffement Ok. d'avant séance, mais honnêtement, je te dis, les meilleurs, quasi, ils le faisaient jamais, tu Ah vois. ouais. Enfin, tu sais, C'était serré dans leur coin. voilà, c'est ça. Si tu voulais te greffer au truc, tu te faisais. Moi, je le faisais perso, mais il y en avait qui le faisaient, y en avait plein qui le faisaient pas, quoi. Ok. Et combien de temps t'es resté là-bas? Un an. En fait, Juste un an. moi, c'est marrant parce que j'étais super bien là-bas. Et en fait, à la fin, quand je suis parti, moi, je sentais que c'était la fin parce qu'il y a eu des embrouilles en interne avec les dirigeants là-bas. Donc, je fais un Anschlager et l'autre personne qui gérait le centre où il y a eu. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en gros, j'ai senti que ça allait se péter la gueule. Donc, moi, je suis parti à ce moment-là. Mais ensuite, j'ai rejoint Villeneuve-sur-Lot. Et pareil, on avait un super centre. Et je suis resté pareil un an. Et c'est pareil, à ce moment-là, j'ai senti que pareil, ça allait mal tourner. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, Ok. je suis rentré à l'INSEP. Après Villeneuve, il y avait Jérémy Petchaud. Si t'entraînais avec Jérémy Petchaud, c'était pas facile aussi. C'était compliqué. C'est facile encore là. Ok. Moi, c'est intéressant. Si on parlait de l'après maintenant. Parce que là, t'as mon âge, t'as 28 ans. On sait que la carrière des sportifs, c'est pas éternel. Qu'est-ce que tu dois faire après? Je me sers un petit shot d'eau d'abord. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. C'est de l'eau, c'est pas de la vodka. Fais-toi plaisir. tu m'as dit, c'est quoi la question de... Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire après ta carrière de joueur? Bah moi après j'étais à l'INSEP, donc j'ai fait deux diplômes d'éducateur sportif, donc BPJEPS, activité de la forme, et BPJEPS, activité pour T'as tous. deux BP. Ouais. Ok. Deux BP, et donc je les ai fait à l'INSEP, c'était des formations qui étaient top parce que c'était vraiment pris en charge dans le cadre de l'INSEP. Donc formation aménagée à mort, beaucoup moins de cours, pour passer les examens, beaucoup plus de facilité aussi, de flexibilité pour les passer. Et puis ensuite, donc je les ai eus à l'INSEP, et ensuite là, je suis passé cette année sur le diplôme du DGEPS, donc entraîneur de tennis de table à Montpellier justement. Et là, c'est un format où c'est 6 semaines par an, où on doit se rendre Tu sors en là-bas. 2 ans, ça, c'est ça, C'est en non? 2 ans, ouais. Ouais. 2 fois 6 semaines par an. Ok, donc ce qui veut dire que après ta carrière, le métier d'entraîneur pourrait te plaire. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas exactement. L'objectif, c'est surtout de m'ouvrir le plus de portes possible. C'est vrai que quand t'es joueur, t'as quand même pas mal de temps libre, entre guillemets. Bon, tu t'entraînes, mais tu t'entraînes pas non plus 50 heures par semaine, tu vois. Donc t'as quand même des temps libres. Donc je trouve que c'est bien de les utiliser pour faire quelque chose d'autre. Donc l'objectif, c'est de m'ouvrir le plus de portes. Après, je sais pas si c'est quelque chose vers lequel je voudrais me diriger. Ok. Pour l'instant, Mais ça pourrait. t'aimes bien le milieu du ping, en tout cas. Bah, franchement, le milieu du ping, c'est sympa, tu vois. Moi, je trouve que c'est. Je connais énormément de gens dans ce milieu-là. Il y a quand même énormément de personnes que j'apprécie dans ce milieu-là. Donc, ouais, c'est un milieu que je trouverais cool de développer de mon côté. Mais après, je sais pas si c'est. Est-ce que j'aurai les opportunités? Est-ce que j'aurai moyen de faire quelque chose qui me plaît là-dedans? Tu vois, tu sais jamais exactement. C'est dur de prévoir. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi Tout est pas. En ouvert. tout cas, je m'ouvre toutes les portes Et pour le puis t'auras faire les après. diplômes, donc Voilà, c'est ça. ok, bon, c'est bien. Et si t'avais si t'avais pas fait de ping, tiens. S'il n'y avait pas eu le ping dans ta vie, En sport ou en. n'importe, dans la vie, en métier ou en autre sport. Moi, je sais que t'aimes bien le foot, mais.
Ouais, après j'aurais pas fait footballeur. Ouais. Bah, en soi, si, j'aurais bien aimé, mais tu vois, si je me serais pas tourné vers le foot, je pense que je me serais tourné vers un truc un peu en sport extrême, tu vois, genre Ah ouais? wakeboard ou snowboard ou un truc comme Le ça. casse-cou. Ouais, moi j'aime bien un peu les sports à risque. Donc, en tout cas, c'est ce que j'aime bien regarder ou ce que j'aime bien pratiquer Ok. aussi. Donc, je pense que j'aurais été sur un truc comme ça, un peu les trucs Red Bull, tu vois. Bon, Ouais, pas je vois. plonger de 50 mètres, mais Je vois les... un truc à la dans ce genre-là, montagne. je trouve ça archi esthétique en fait Ok. et stylé. Après, en termes de métier, qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense que j'aurais bien aimé kiné, je trouve que c'est un beau métier. Parce que bah, tu peux quand même bosser dans le monde du sport et tu peux être amené à côtoyer. Puis t'en as vu beaucoup, toi, des kinés en plus. Ouais, voilà, tu vois, et je sais un peu bah, c'est quoi leur quotidien, surtout quand ils nous suivent en compétition, c'est quand même cool. Toi, t'es dans le projet sans pour autant être vraiment à l'intérieur, t'es plutôt en accompagnement, tu vois tout ce qu'il y a autour, t'es capable d'accompagner l'athlète et de le gérer Ouais, c'est vrai, c'est un peu sympa. dans la récup, dans tout ça, tu vois, c'est Ok. cool. Et puis même quand il y a un petit pépin physique, c'est quand même, je pense, sympa de te dire qu'il avait mal, tac, tu l'as soigné, il peut jouer, tu T'as vois. participé en fait Ouais, c'est gratifiant, je pense. au succès du joueur, quoi. Ouais. Ok. Après, sinon, j'aurais Dis-moi. été trader à gagner des millions. J'achète. UFC dans la J'irai mettre dans la cage. cage, ouais. C'est GRM ça. C'est GRM, bon doudou. Football oublie, frappe, il perd une cheville. Ah UFC en moins de 60 kilos. ouais. Tu frappes apparemment, tu perds ta cheville droite. Ouais, bon, je suis gauche, Ah, t'es gaucher? frangile. Non, je suis droitier. Ah. Mais Ah c'est ma ouais, tu cheville t'es gauche qui est fragile, ouais. blessé. Ok. Alors il y avait la question qui est passée tout à l'heure là dans le chat, mais je l'avais noté aussi. Qu'est-ce que tu penses du format WTT actuel avec à l'époque c'était anciennement les Pro Tours et maintenant tu as WTT US Contender, Feeder, Star, Champions, tout ce que tu veux, beaucoup de compètes, beaucoup de formats différents. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bien pour notre sport, pas bien Moi, je trouve qu'il y a eu des choses. Alors, je vais commencer par le positif avant de passer au négatif. Mais le positif, c'est quand même qu'ils ont ramené une sorte de. Ils ont ramené des nouvelles, un peu. Des nouvelles choses. Un peu le show, l'aspect un peu présentation, show. C'est un peu plus classe, tout ce qui englobe le tennis de table. Les aires de jeu, les chaises de coach, tu vois, un peu ces choses-là. Ils ont mis une nouvelle angle de caméra. Bon, je suis pas fan. Mais Ouais. je trouve que c'est moins bien. Mais au moins, ça apporte un changement. Enfin, j'imagine qu'ils ont. Ils ont réfléchi, Qu'ils ont réfléchi à ça, tu vois. Je me dis, ils sont quand même pas passés du jour au lendemain en se disant, vas-y, on va la foutre sur le côté, ça va être mieux. Donc, par rapport à ça, même sur les événements, tu vois, ils organisent quand même plus proprement, c'est-à-dire il y a des grosses matchs où même ils invitent certains joueurs, tu vois, où c'est financé, mais par contre, pour le reste, en fait, je pense que ce format WTT, ça avantage énormément les meilleurs joueurs. C'est-à-dire quand tu es dans les 20, 30, 40 premiers mondiaux, tu es super bien, mais par contre, si tu es en dehors, bah, les Pro Tours, ils payent maintenant, ils coûtent. C'est 1 500 à 2 000 € le Pro Tour minimum. La nuit, à chaque fois, c'est minimum 200 balles, 250 balles, Ouais. pour pas dire 300 des fois. Nous, avant, je me souviens, on faisait des sorties internationales, on prenait un Airbnb, on payait l'entrée, donc l'inscription, c'était 150 ou 165 € il me semble. Et après, on prenait bah, notre avion et on prenait notre Airbnb, on se démerdait pour Ouais. manger. Tu vois, il y avait un côté un peu. À Pas la... colonie de vacances, Ouais, à mais l'aventure, à quoi. l'aventure, quoi, Ouais. un peu. Et c'était cool parce que du coup, tu pouvais faire des économies, ça te permettait de jouer plus de tournois. Là, maintenant, en fait, tu es obligé, ils ont obligé les joueurs à payer, à prendre 3 nuits d'hôtel minimum. Donc, la nuit d'hôtel, c'est toujours 200-250 balles en chambre double. Ouais. Hein, en chambre double hein. Et donc, en fait, bah, et en plus, ils ont mis un match par jour, donc pour pousser les joueurs à jouer le plus longtemps possible, donc à payer le plus de nuits possible. Donc au final, en fait, tu te Ils ont retrouves fait les jamais avec rapaces. un. Voilà, c'est Ils ça, en font les fait. rapaces. C'est tout pour. Faut dire les choses, hein. Ils font les rapaces à un Ah, moment ils font donné. pas. Ouais, après, c'est pour avantager les meilleurs joueurs Mais même d'Europe, moi, parce j'ai que. été coaché un WTT Youth en Belgique. Ah, mais les youths, c'est le cata, c'est encore pire. Mais les fédérations On ne a veulent. dormi dans un EHPAD. Ah, mais les fédérations ne veulent même plus envoyer des youths, hein, c'est. On a Ils dormi veulent. dans un EHPAD, c'était une catastrophe. Et c'était 200 euros la nuit. Les seuls intérêts pourquoi les fédérations envoient des jeunes jouer, c'est parce qu'en fait maintenant il y a des points à prendre pour un senior. C'est pour ça qu'on a vu des Ah ouais? ouais c'est pour ça qu'on a vu des bah, par exemple je pense à Hugo Deschamps ou Thibaut Poret qui sont rentrés je sais plus 100, 120 mondial alors qu'ils n'avaient jamais joué un pro tour senior. Enfin c'est je veux dire c'est pas normal tu joues pas un. Et en fait ils ont mis ça pour que en fait il y a un attrait pour les fédérations Sûr. d'envoyer des joueurs Pour là gagner parce que plus d'argent bah derrière. voilà c'est ça. Donc c'est. Non, franchement, moi je pense ce qu'ils font, c'est. Éthiquement, c'est très léger, je pense.
C'est quand même moins. J'ai un peu de choc qui nous dit tu t'en sortais pour 300-500 euros, le Pro Tour maintenant c'est un SMIC par WTT. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, après, bon, 300-500, c'est un peu, c'est un peu, tu vois, 600-700, ok, ouais. T'avais vraiment. Toi, t'allais faire un Pro Tour en Espagne, c'était vraiment, ouais, tu pouvais t'en sortir pour 500 balles, quoi. Maintenant, bah, tu multiplies par 2 ou par 3. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur. Bah, Jérém, on en a fait ensemble, hein, je pense, on en a fait quelques-uns ensemble. Ouais, c'est. Donc, mitigé, quoi. Ouais. Il y a quand même plus de négatifs. Bah, pour les meilleurs, les meilleurs, c'est super bien. Eux, ils doivent être super contents. Je pense qu'en tant que joueur, en effet, nous, tiens, j'attends vos avis là, à tous les pongistes du chat. Parce que le format WTT avec les compètes et le fait que ça soit quand même plus sympathique à regarder, un peu plus pro, c'est intéressant pour nous. Ouais, ouais, je pense que pour les spectateurs. Pour les spectateurs, mais en effet, pour les joueurs, je te rejoins, c'est un peu compliqué, surtout. Oui. Ouais, et moi, je trouve qu'ils ont quand même eu aussi un fait de calquer vraiment sur le tennis. Faire un circuit où tu gagnes en fait des points qu'en fonction des tours que tu passes, exactement comme le tennis. Mmh. Avant, le système de classement, c'était par exemple, tu jouais au premier tour, imaginons que tu jouais Malong au premier tour, bah, tu prenais énormément de points. Par contre, si tu jouais à un autre gars qui était moins bien classé que toi, tu prenais pas de points. Et donc, en fait, tu gagnais très peu de points en fonction des tours que tu avançais, mais tu gagnais énormément de points en fonction de la perf que tu faisais. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, en fait, tu pouvais faire un bon tournoi en gagnant un match, et tu pouvais faire un tournoi moyen en gagnant 5-6 matchs, tu vois. Donc ça, c'était la différence, et je pense que d'être passé d'un tout au tout, bah, c'est moyen, parce que maintenant, du coup, bah, tu te retrouves avec des gens qui en fait, ils vont forcément sur les tournois où il n'y a personne, enfin, c'est un calcul. Et puis surtout au tennis, il y a énormément d'argent, les joueurs ils ont des prize money qui sont je sais pas, 200 ou 300 fois ce qui est dans le ping-pong. Donc tu peux pas calquer un format quand il y a 300 fois moins de rémunération pour le ping-pong, c'est compliqué, enfin je pense. Hein. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais après, si tu te conformes juste à ce que les téléspectateurs en pensent, je pense que c'est bien, mais c'est juste qu'ils vont perdre quand même pas mal de joueurs qui faisaient ces compètes-là. En tout cas, moi, ils m'ont perdu pendant après, ce temps. Ouais, ouais. Et alors après, il y a quand même, en tant que spectateur, je trouve, t'as tellement de compètes et tellement de WTT, tu sais plus où donner de la tête. Et puis, c'est un peu moins gratifiant d'en gagner un, parce que t'en as 50 000 à l'année, tu vois. Ouais, bah ouais. Et on sait. Je vois Josias qui dit qu'en fait, il compte que les 8 meilleurs tournois. Donc en fait, ça t'oblige à. En fait, si t'en fais 25 et que t'en as fait. Si t'en fais 25 et que t'en as fait. C'est une multiplication là. De quoi? Non. 25 moins 8 donc, et que t'en as fait 15 qui sont mauvais. Qui compte tes 8 meilleures compétitions en bijoux. Non, c'est que en fait, si jamais tu fais beaucoup de double DT et que tu passes à côté de tes compètes. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est pas grave en fait. Tu peux passer à côté de 15 compètes. Tant que tu payes, tu rejoins un compte. Bah, et en fait, c'est que les 8 meilleurs, tu vois. Et ça, c'est un peu cata, je trouve. Que tu perds pas de points. Donc, forcément, c'est chaud de lasser 300 balles par nuit quand ton prize money rembourse même pas de nuit. C'est ça. Hein. Bah oui. C'est ça. Bah, t'es jamais. De toute façon, à moins que tu sois dans le top 20 ou top 40, top 30, tu rembourses jamais tes protos. Ouais, ouais. Tu les rembourses uniquement si ta Fédé te paye le tournoi en fait. Sinon, t'es jamais positif. Et ça serait quoi pour toi la formule idéale de WTT par exemple? Parce que c'est important qu'il y en ait quand même, ouais. Pro Tour, il faut un classement mondial et tout. Mais c'est quoi la bonne formule? Bah déjà, le point le plus important pour moi, c'est de remettre ce système de perf et de contre un petit peu. Comme classement français par exemple? Ouais, un petit peu. En fait, tu joues par rapport à tes matchs, quoi. Je comprends qu'ils mettent l'avancée en tournoi, c'est bien qu'il y ait un bonus de points. Mais il faut quand même remettre ce système de perf et de contre, je trouve. C'est important que ça soit un mix. Il faudrait en fait faire un format qui soit pour le tennis de table et pas calqué sur un autre format. C'est ça. Et en plus, par exemple, si je dis pas de bêtises, que ce soit un WTT en Europe où le niveau est quand même relevé, en Asie, j'en parle pas, et tu vas faire un WTT en Océanie, le niveau est quand même moins fort et tu gagnes le même nombre de points. Et puis voilà, c'est surtout ça, les compétitions continentales, en fait. C'est une cata parce que tu te retrouves avec des joueurs australiens qui sont 39 mondiales, qui ont juste un événement continental. Là où même, tu vois, c'est pas. Et ils te chipent tes. C'est pas réaliste. Je comprends qu'ils veuillent développer le tennis de table sur d'autres continents, mais faut que ça ait un peu de sens quand même. Faut que le mec il soit 39 mondial, mais du coup, ça le pousse à essayer d'aller chercher un peu plus que ça, pas juste compter juste sur une compète et d'être dans le top 40 et c'est bon, tu vois. Ouais, donc. Donc, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ce système de. Je vois des bannes dans le chat. Ce système de victoire-défaite comme en France, en fait. Tu fais une contre, tu perds des points. Tu fais une perf, tu gagnes des points, ce qui me paraît très logique. Et après, on est faire un petit bonus si tu gagnes un petit bonus en finale. Moi, je pense que le bonus, c'est bien. Mais tu vois, un 50-50, un 50-50, ce serait bien, tu vois. Parce que là, imagine, tu bats Malong au premier tour.
et tu perds au deuxième contre un Francesca par exemple, ouais, tu fais un tournoi. Tu gagnes 0 ouais. points et t'as un mec qui a joué que des mecs de son classement, ouais. Des 30 mondiaux, il gagne le tournoi. Ouais. Il fait jackpot. Ouais, c'est pas logique, tu vois. Mm. C'est... Après, il y a des aberrations. Le mec qui gagne le championnat d'Océanie, il est genre top 120 au monde. Ouais, c'est 39, il est 39. Ouais. Nicolas Lhomme, il est passé 39. Ah ouais. Ouais, bah, je suis renseigné quand même. Ouais, ouais, là-dessus, on est d'accord qu'il y a un petit souci. Ouais, et moi je pense faire moins de WTT en fait. Calmer un peu. Pour qui? Eux? Pour tout le monde. Non, mais pour eux, ils veulent des sous, donc ouais. Faire un max. Mais là, toutes les semaines, il y a 2-3 WTT, ça s'enchaîne. Pour avoir coaché sur un Youth, je sais qu'il faisait le Youth de Belgique, ensuite ils enchaînaient sur le Youth de France. T'as 5 jours de compète, ils en mettent partout. Quoi. Oui, idéalement, si le format est bon et que. Pourquoi pas en mettre souvent, mais bon. Là, le format, c'est juste pour en fait, gagner de l'argent. On est d'accord. On est d'accord. Sujet un peu plus positif. On a les deux frères Lebrun qui montent pas mal en France. Ouais. Alexis Félix. Que je remercie d'ailleurs parce que Félix m'a repartagé la chaîne là sur Instagram. Ça, c'est cool. Ça fait du bien. Tu commences à péter. Ça fait du bien. Et surtout, surtout, on espère les avoir bientôt sur le live. Ça serait génial. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance de médaille pour un des deux au JO de Paris l'année prochaine? Une chance de médaille en simple ou en simple? En simple. Ouais, je pense pour Félix, il y a vraiment une chance. Actuellement, hein, ouais. Tu penses que Félix là est un peu plus fort qu'Alexis là? Oui. Ouais, bah même. Il performe mieux, ça c'est sûr. Beaucoup plus fort. Après, Alexis, sur un match, je pense qu'il peut être très dangereux. Mais Félix, là, au niveau constance, c'est quand même. Je pense qu'il y a les trois Chinois là, donc Malong, Wang Shikin et Fan Zhengdong qui sont au-dessus. Il y a éventuellement. Et après, en fait, il y a, pour moi, je mettrais Lin Yunju là, qui a gagné le Champions en Allemagne. Et après, je mets Félix en fait. Là, il est 8, mais toi, tu le mets 5. Ouais, bah, plus fort que Calderano. Moi, je le mets devant. Bah, il lui a montré, je pense. Ouais, c'est vrai. Et quoi, Calderano, il est devant parce qu'il a sa compète continentale. Ouais, Félix, bon, là, il a son titre au jeu européen qui compte aussi. Mais honnêtement, sur les derniers résultats, sur la dernière performance, Félix est quand même. Moi, je le mettrais largement top 5. Ouais, top 5 largement, franchement, tous les jours. Et Alexis qui vient s'insérer un peu derrière. Ouais, bah, je pense que. Après, il est un petit peu moins bien en ce moment, mais je pense que ça va aller mieux. Et surtout, faut pas oublier Simon aussi qui rejoue super bien. Et puis, ils ont fait un sacré match tous les deux là. Et puis qui régale, franchement. Simon qu'on salue aussi, parce qu'il est chaud aussi de venir sur un live. Je lâcherai comme ça, les gars. Peut-être qu'il y viendra dans pas longtemps. Donc, ouais, éventuellement, franchement, une petite chance de médaille, hein, je pense. Hein, c'est... Mais après, ça alors, dure. Hein. Peut-être reformule la question. Est-ce que pour toi, si. Donc, on va parler de Félix qui est un peu plus en forme, même si Alexis a toutes ses chances aussi. Hein. Si Félix ne fait pas médaille, est-ce qu'on sera déçu? Non. 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 C'est des jeux, il a 18 ans. Il aura quel âge? 18 ans, je pense. Même pas. Là, il a eu 17, donc il aura 18, je pense. Peut-être. Dans l'année des 18. Ouais. Il sera dans l'année des 18. C'est quand même une compète, je pense que. Moi, je les ai jamais joués, tu vois. Mais je pense que quand tu arrives sur une compète comme ça, c'est vraiment la compète de ta vie, c'est à Paris. Même s'il a les épaules très très solides, je pense, c'est quand même compliqué. Hein. Franchement, je vais pas te mentir. Et puis, je regardais d'ailleurs, c'était il y a pas longtemps là, je regardais le niveau des mecs au jeu. J'ai regardé quelques vidéos, tu vois. Okay. C'est autre chose. Ils sont préparés. Allez, Lascar, ils sont prêts. Hein. Ils sont prêts en découte dans l'air de jeu. Je regardais, je sais plus, c'était je crois Fan Zhengdong contre le gaucher Lin Yunju là. Ouais. Ça va vite. Hein. Ouais. Alors Félix, il joue très bien, hein. Mais est-ce qu'il sera capable d'avoir ce niveau là? Parce qu'il faut taper un Chinois ou faut taper un de ces mecs-là, il n'y a pas le choix. Un Fjarov, un Lin Yunju. Ouais. Donc est-ce qu'il sera capable d'avoir ce niveau de jeu-là au moment T? Franchement, c'est pas évident. Je dirais, si je devais lui donner un pourcentage de chance, je dirais qu'il a à peine 20% de chance de faire médaille. Ouais. Ce qui est énorme, ce qui est déjà magnifique, tu vois. 20% de chance, c'est. Et ouais, c'est beau. Ça serait incroyable. Ça serait un truc de fou. Hein. Et en par équipe? En par équipe, le truc, c'est que la France, il y a un gros problème en par équipe, c'est que. Bah, du coup, il y a Félix qui a pris la place de numéro 1. Donc là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Félix va jouer dans tous les cas les deux simples. Et le problème après, c'est qu'il faut trouver un double en fait, avec cette équipe, avec Simon et Alexis. Mais le problème, c'est que le double le plus performant, je pense que c'est Félix et Alexis. Ils l'ont montré, ils jouent super bien ensemble. Mais Félix, il est bloqué en position numéro 1 en fait. Donc tu peux pas, pour moi, au niveau où il joue actuellement, tu ne peux pas le sortir de cette position. Donc ça veut dire qu'après, il faut que tu composes avec une équipe... avec une équipe Simon-Alexis, parce que je pense que Simon-Alexis, c'est les deux meilleurs joueurs. J'ai pas la formule en tête. Tu l'as, toi, la formule par équipe JO? Exactement, je sais que... Bon, c'est 3 contre 3.
je sais que le, le mec qui joue le double, il joue le double, il me semble, hein, je suis pas certain, il me semble qu'il joue le double et il joue aussi le numéro 1 adverse. Ok. Donc ça ferait 1 contre 2, 2 contre 1, double, 1 contre 1, 2 contre 2, un truc comme ça. Non, du coup, le 3, il joue le 1, donc franchement, j'ai pas... Ah, c'est le 3 qui joue le 1 ? J'ai pas envie de dire de merguez, okay. Donc je sais pas, mais entre guillemets, ils vont devoir composer avec un double Alexis et Simon. Et c'est deux joueurs qui, je pense, sont pas forcément axés sur le double, mais après, c'est quelque chose qu'ils vont devoir développer. Ah, et de toute façon, l'équipe de France, actuellement, il n'y a pas le choix, c'est les deux meilleurs joueurs de loin derrière Félix. Donc c'est là où il y aura éventuellement un petit problème sur des équipes comme... je sais pas, j'imagine la Corée qui ont des doubles quand même très solides, ou le Japon qui ont des gauchers bien performants. Même si, mais par contre, voilà, on a quand même la chance d'avoir trois joueurs qui sont top 20 quasi, avec un joueur qui est un de 20 qui est capable de vraiment faire deux sur quasi n'importe quelle équipe, à part peut-être la Chine bien sûr. Ouais. Donc va falloir composer avec ça, mais bon, c'est pas, je pense que c'est quelque chose qui y réfléchissent et je pense qu'ils... Allez, hein. Là, qui sera toi, Gio ? Forcément, moi, j'y serai pas. J'y serai peut-être dans les tribunes, non, hein, ou devant ma télé. Ah, moi, j'y serai en tout cas. Il y a Vincent Picard qui me dit que ça commence par le double, donc ça doit commencer par le double, je pense. Ah bah, Vincent, si t'as la formule en tête, ouais, on la veut bien. On la veut bien. Ça commence par le double, donc ça voudrait dire que ça ferait double 2-3 contre 2-3. Ouais. Ensuite, j'imagine que les 1 jouent. Direct ? Ouais. C'est quoi ? Ah, je suis pas sûr que tu vas réussir à la trouver si facilement. Merci, Jo, t'es bon. Ouais. Double, ok. Donc double de 1 contre 1, 2-2. 3, 1, ouais, 3. Tu vois, ça finit par les 2-3 qui sont capables de jouer, qui se jouent sur le 1. Donc entre guillemets, ça, moi je trouve pour la France, entre guillemets, c'est quelque chose qui est pas si mal, parce que on a Alexis qui est capable de taper très haut, qui l'a montré récemment sur. Parce que si Alexis est en 2 et Simon en 3, ce qui voudrait dire, bon, t'as le double Alexis Simon. Bah, ça voudrait dire qu'Alexis, en fait, il jouerait le numéro 1 adverse, ce qui est plutôt bien, parce qu'il est, bon, il a montré qu'il est capable. Il a battu Hamamoto, il a battu Long Jin Kun, il a battu Fan Dong. Enfin, donc ça, c'est plutôt. Ok, merci les gars. Ça commence par le double. Merci pour l'info. Merci Josias, t'as été vif. Ouais. Bien vu, parce que je pense que c'est une info qu'on aurait eu du mal à trouver. Ouais, je pense que l'aurait cherché longtemps. Ok, donc ouais, pas facile. J'ai vu une question là qui m'intéresse. Quel Chinois tu penses que Félix a le plus de chances de battre? Parce qu'en vrai, les Chinois là... Qui vont emmener au jeu, ils vont emmener... Bah, je pense qu'ils vont emmener Malong... Soit Malong, Malong, je suis pas sûr. Hein. Ah ouais, Fan Dengdong va y aller. Je pense qu'il est devant au ranking, mais il a quand même pas mal de points. Fan Dengdong, il est un mondial, mais il fait beaucoup de contres là ces derniers temps. Ces derniers temps, il est un peu moins bien, mais au ranking, il est quand même vachement devant. Ouais, ouais. Et après, il y a Wong Shikin qui est quand même super bien. Et il y a Malong qui pousse derrière. Malong, il est un peu plus âgé, mais ça reste quand même. Mais tu penses si, parce que c'est l'équipe de 3. Ouais. Donc si Malong ne vient pas, tu penses qu'ils prennent qui ? Wong Shikin, le gaucher. Non, mais il y a Fan Dengdong, Wong Shikin, Malong. Ouais, oui, ça sera ça. Ah, l'équipe, ce sera ça, c'est sûr, certain. Ouais, après, moi, je te parle en simple. En simple. Ah oui, en simple, il y en a que deux qui peuvent le faire. Ah oui, en simple, ça, c'est autre chose. C'est vrai que c'est une bonne question. Je pense, ils vont faire des trials, c'est comme ils avaient fait, là, je pense. Moi, tu vois, il dit Fan Dengdong, Malong, Shikin. Moi, je suis pas certain que Malong va y aller en deux, franchement. Ouais, ce qui veut dire qu'il mettrait Malong plus fort que Wong Shikin. Ouais, et je suis pas certain que la Chine le mette actuellement plus fort que Wong Shikin. Franchement, ça se tape, hein, mais... Après... Pour l'histoire, ces derniers jeux. Bah ouais, mais apparemment, j'ai entendu un, comme quoi. Je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, hein, tu vois, mais comme quoi, en fait, la fédé chinoise avait demandé, entre guillemets, à Malong que ce soit lui qui finance maintenant ses propres compètes. Ah ouais. Pour aller sur le circuit international. Je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Après, il a dit. C'est une info, c'est info. Je sais pas si c'est vrai. C'est rumeur, c'est plus rumeur, hein. J'ai pas côtoyé, mais j'ai pas malongophone. donc, et ça m'a surpris parce que moi, je me dis, bah, quand t'as un joueur comme Malong, le mec c'est le meilleur joueur de l'histoire, tu lui demandes de payer ses compètes, tu te dis ça me paraît bizarre, tu vois. Mais je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais donc c'est ce qui me fait penser éventuellement qu'il favoriserait pas forcément Malong par rapport à Wong Shiki. Ok. Après Malong est riche, ouais. Malong c'est vrai qu'il, je pense qu'il a pas trop de soucis à se faire. C'est clair. Ouais, bon. Qui sera au JO là les gars? La langue a manqué de modestie pour les jeunes Lebrun. Moi je trouve pas Dadou. Pas du tout. Bah déjà il a toujours gagné donc. Thibaut, tu seras au JO. Ton club t'emmène là, c'est cool. Moi j'y serai pour les 8e par équipe. Ah t'as pris une place? Ouais, j'ai été tiré au sort. Ah bien vu. Non, en vrai pour l'histoire en plus c'est le.
Les parents d'un petit que j'entraîne, ils ont été tirés au sort, ils avaient une place en trop, ouais. ils m'ont proposé Ah de ouais. l'acheter. Ah, Enfin, du coup, j'ai deux places et en du coup tout. tu verras le match de la France? Non, ça je sais pas, c'est au Ouais. hasard. En fait, c'est des créneaux de 3 heures. Et du coup si t'as de la Et chance tu passes c'est sur... 8e de finale, et si j'ai de la chance, j'ai France ou Chine, quoi. Non, j'espère juste que cette année ce sera retransmis quoi en fait. Enfin Ah, ça serait que bien. ce sera Avec les diffusé. Lebrun, il y a plus de chances. Ouais mais franchement je te jure, enfin en tout cas en live ça sera passera peut-être à la télé mais je sais que sur les éditions précédentes des jeux, bah t'avais très peu de retransmissions sur YouTube, tu vois des formats condensés, Ouais, des best-of. c'est Si vrai. tu vas chercher des matchs des Jeux Olympiques sur YouTube, tu trouveras À très part peu de la choses. finale, Ouais, et encore je te jure des fois même c'est compliqué d'aller même de ouais. tirer des finales quoi. Donc c'est je trouve ce qui est dommage parce que tu il y a une intensité qu'il n'y a pas dans les autres compètes et c'est dur à retrouver des Sur France TV, maintenant, il y en a deux qui disent ça. France... Tu connais France TV? Ouais. Je Ouais, connais. bah il y a même des matchs de pro qui étaient retransmis sur France France TV, TV. c'est quoi, les gars? Ils diffusent tous les sports JO. C'est cool, ça. Mais c'est quoi? C'est une chaîne à la télé ou c'est un site sur Internet? France TV, il me semble, c'est un truc où tu peux regarder toutes les chaînes, pas mal de chaînes. Compliqué les droits TV au JO, ouais, bah. Après, comme ça paraît, ça devrait pas être trop dur de voir. Ah oui, c'est des bonnes réponses. Non, mais en direct, tu verras tout en fait, mais c'est France 2, juste. France 3, France 4? France TV? Ouais, c'est ça. Ah, ok, bon. En fait, je pense que en direct, tu verras tout, mais c'est juste, imagine, tu rates le match, t'es pas dispo, bah pour le revoir, c'est pas si évident que ça. Enfin, en tout cas, sur les autres années, moi, j'avais du mal à suivre les jeux. Ouais. Ok. Merci Alex pour cette interview. Bah écoute, C'était cool. avec plaisir. Je te propose maintenant qu'on réponde un peu aux questions du chat, aux questions et aux remarques. Donc, si vous avez des questions maintenant à poser à Alex ou à moi, si vous voulez, on est là, on y répond. Il nous reste, on fait encore une petite demi-heure. Ouais, On a bien parlé là. on en a parlé, hein. Voilà, On sait bien, on a c'est bien manière. parlé. Matt te demande ta plus belle victoire de ta carrière. Ma plus belle victoire de ma Ouais. carrière? Bah, mon plus beau souvenir, c'est les championnats de France. 2018? Ouais, où bah, je n'ai pas Tu bats perdu un match. Simon? Non, je me bats Simon en 2018. Tu Non, me justement, pour t'es revenir, il y sûr? avait une question que tu voulais me poser, c'était le joueur qui m'a le plus réussi. Ah oui, Et excuse-moi, j'ai oublié. bah du coup, ça, je pense, c'est Ah, Simon c'était Gauthier. Simon, Ouais, ok. bah ouais, je l'ai joué deux fois. Il est quand même pour numéro un Et quand tu français. l'avais joué, et en plus, J'ai joué deux il a fois fait et la je l'ai demi-finale battu aussi. deux fois. Et deux autres joueurs que j'adore, que je trouvais super forts, mais que quand je les ai joués, je les ai trouvés vraiment pas si forts que ça. C'est Chuan Chihuan, Ouais. donc qui est incroyable. Je l'avais joué en pro, je l'avais mis 3-0. Même moi, j'étais sorti après le match, j'étais là, c'est quoi ce bordel? Ah, ça Et va, tu vois, moi je vois depuis tout Jung-sik, je sais pas petit. si tu vois le coréen, Jung-sik, Ouais, qui joue en bloc qui un joue en peu, bloc ouais. comme ça, pareil, je l'avais joué le lendemain des championnats de France. J'avais fini mon match, les choses des championnats de France, le dimanche. J'avais L'année où pris. tu gagnes? Ouais, Ok. l'année où je gagne, j'avais pris mon vol le soir même de Paris. J'étais arrivé dans la nuit à 2 h du mat. Je jouais Jung-sik à 10 h le lendemain. Je l'avais mis 4-0. Pas compris. Mais c'était Donc quoi la compète? c'était le Open du Qatar. Ah, à l'époque, À ok, ah l'époque. ouais. Ouais. Et donc, ouais, c'est trois joueurs-là que je trouve super forts. Tu vois. Enfin, Simon. Ouais, Bah, c'est Simon, c'est clair. différent parce que Simon, c'était serré. Mais ces deux joueurs-là, un peu surpris, tu vois. C'est des joueurs que je kiffe regarder. J'adore comment Ouais, ils jouent. Et Franck puis. Chichouane, on a tous vu des vidéos Ouais. de. T'as Jérém Petiot qui dit la bête noire, c'est moi 100%. Ah, Jérém, calme-toi quand même. Voilà, il y a beaucoup de T'as la questions là. bobac autour du cou, c'est bien déjà. Gauthier, j'aime bien ta question, Gauthier. Toujours pas vu de service main gauche en pro. Et un peu Non, déçu. ouais, je sais. Hein, Pour ceux qui n'ont pas suivi, quand Alexandre, excusez-moi, était blessé à l'épaule. Non, c'était pas l'épaule. Quand t'es C'était tombé. quand je me suis pété le Ouais, bras. c'était l'avant-bras. Il s'entraînait à faire un service main gauche. Ouais, service main gauche, j'avais le projet en fait de servir main gauche et puis après de jouer avec la main droite. Donc je m'étais entraîné pendant genre bien 2-3 mois. Et Attendez, il doit y avoir une vidéo là. donc l'objectif c'était. Excusez. Bah, hier sur mon Insta, j'avais mis un. Non, mais je sais qu'Alexis Dicria, Ouais, il. sur la vidéo, il Ouais, avait mis. Ouais. on va la retrouver. Donc j'avais eu ces trucs-là. Et je l'ai fait un petit peu, hein. Mais je l'ai fait sur des tournois en check-it et des challengers. Ouais, Un ah peu ouais? des. Ouais, j'en ai fait un. En match officiel? Ouais, en match officiel Mais sur. on n'a pas les vidéos de ça? Non, bah, tu sais, c'est des trucs qui sont paris sportifs, donc c'est que. Il n'y a pas de replay, Ma c'est que des. motivation pour Tiens, je aller bloque chez les lui. chips. Depuis là, en fait, depuis un Attends, attends, moment. sparring. Allez, voilà la petite Mais c'est vidéo, vrai tu sais qu'en quoi? pro, j'ai J'aimerais pas bien, passé mais j'ai du mal le. à plusieurs endroits à la fois, donc Non. J'ai pas passé c'est le une cap, c'est avant, situation je pense. Hein. qui est compliquée à gérer après. Question de Wekai. Est-ce que faire une double licence est une bonne expérience? Je sais pas, j'ai jamais fait. T'as jamais fait la double licence? Non, bah de toute façon, c'est interdit maintenant. La FFTT, ils ont tout fait pour que ça soit interdit. Donc,
Donc non, je suis jamais passé par là. Je sais qu'il y en a certains qui le font, mais dans Ouais, d'autres tu peux championnats. rappeler, c'est la double licence pour tout le monde, quoi ça Bah, consiste? la double licence, en fait, c'est d'avoir la possibilité de jouer pour deux clubs différents. Enfin, dans Deux deux pays, ouais. championnats différents, par exemple, jouer le championnat belge et aussi le championnat espagnol, par exemple. Ou Le français. français, mais pas Pro B. Tu peux pas, quand t'es pro, quand Ouais, t'es c'est ça, c'est que ça Pro s'arrête. B, c'est N1. Tu peux faire N1 puis championnat belge, mais tu peux pas faire Pro B Donc si puis t'es en championnat pro, tu peux belge. jouer que en France. Ouais, si t'es en pro, et ça, se trouve, c'est quand même. Bon, pour les joueurs de pro, ok, je comprends, parce qu'il y a des salaires qui normalement Tu dois expliquer les salaires. qui permettent de vivre. Mais Ah oui, ouais. en Pro B, il y a quand même, c'est quand même un peu plus. C'est quand même des salaires un peu moins bien, donc de pas leur permettre du tout. Après, je comprends le principe, hein. Franchement, je saisis un peu l'idée. C'est quand même dommage de jouer pour deux clubs différents. Mais bon. Après, je sais qu'il y en a qui jouent dans 5-6 pays. Hein. Donc c'est vraiment, t'as pas de vie, tu bouges tout le temps et tu chasses l'argent, quoi. Après, est-ce qu'on peut. C'est un peu triste que des joueurs. Bon, toi, ça va parce que t'es en proie, mais t'as des joueurs qui sont 60, 70 Français, ils sont entraînés toute leur vie, le ping, c'est leur life, Ouais. et puis tu leur permets pas de vivre Ouais, bien. correctement leur vie parce qu'ils sont bloqués en Pro B. Après, en soi, ils peuvent toujours le faire, mais il faut qu'ils joignent encore. Ouais, voilà. Mais Bon. donc, bon. Et les salaires sont en haut, quoi. Les salaires sont moins hauts, ouais. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour un Vas-y, jeune vas-y. qui a un niveau 7 à l'entraînement, mais qui se bloque en match? Du coup, tu joues 7 à l'entraînement, mais tu joues combien en match? C'est la vérité. Parce que si tu joues 7 et que tu te bloques en match, après, moi, je pense qu'il faut pas que tu te prennes la tête. Hein. Là, c'est pour se faire plaisir. C'est pas les championnats du monde. C'est ça. Tu te régales, tu prends du Ce plaisir. Il y a qu'on disait tout à pas, l'heure, prends du plaisir, ouais, n'aie il y a pas à se pas. bloquer là sur ces. Tu joues 630, t'es précis, hein, Nataf, sur ton classement en match, hein. Tu joues Ah 630. oui, 630 points. Ne veux pas trop de couverture du match, mec, je suis rincé, mec. T'as Urso qui a posé 5 fois la question. Rouen-Montpellier bientôt en proie. Ouais. C'est quoi la compo de Bah, Rouen? C'est quoi la compo de Montpellier? du coup, on a appris qu'ils venaient pas pour le match contre Rouen, Qui ça? les de Lebrun, Ah, ils sont pas parce là? qu'ils ont la. En fait, il y a la Coupe du Monde mixte, Ah ouais, c'est c'est bientôt une là. nouvelle C'est en édition, ouais, c'est en Chine. décembre. Du coup, on devait les recevoir. De toute façon, ils ont dit qu'ils jouaient très peu de. Ils jouaient soit aucune, soit très peu de matchs à l'extérieur. Donc, ils seront pas là. Un peu dégoûté, mais en même temps content parce que je préfère quand même les pas les avoir. Mais je pense pour le public, tu vois, je sais qu'au niveau des préventes et des trucs Ah comme ça, il bah y ouais, avait c'est énormément de clair. gens qui avaient tablé sur ce match-là, Ouais. qui étaient venus. Ils avaient même majoré un peu les places, tu vois, parce qu'il y Bien avait beaucoup de sûr, bien réservations, tu sûr, vois, bien c'est sûr. normal. C'est du business, mais du coup, bah, un peu déçu parce que ça aurait été sympa de les voir. Et puis même moi, j'aimerais bien, tu vois, les jouer. Ouais, tu les as jamais joués en fait. Si, j'ai joué une fois Si t'as Félix joué. il y a longtemps, au Ouais. tout début quand il commençait à percer. Je me souviens, à 9h du mat au tour d'Andive, je mène 10-6 au premier, après j'avais pris 4-0. Il m'avait croqué les mollets. Ouais, Il me c'est les avait pas sans croqués, il me les jugeant. avait arrachés. Ouais, mais C'est donc sûr. dommage de ne pas les affronter, mais en même temps, nous, on joue quand même quelque Du coup, chose ils niveau vont jouer, classement. pour répondre à ta question, Urso, ils vont jouer avec Esteban, avec Greg Jean, et leurs Après, ils ont trois. Brian Afanador et Ouais. un Andir Ah oui, Praka. c'est vrai, Ah oui, Donc non, je c'est sais pas vrai. exactement qui ils vont Ok, aligner, ouais. mais ça va être moins fort que si les deux étaient là, quoi. Ouais. Ok, et puis vous, la team, ça va être Robert, toi Bah, avec il y Alex, a c'est ça? Gardoz qui a fait un mois, Lilian Bardet. Bon, après, Ouais, c'est vous tournez. le coach qui gère un peu en fonction des sensations, comment lui voit le match, des face à face sur les joueurs. Hein. Ça, c'est. Ok. Alors, j'avais une question intéressante. Question un peu technique de Dadou. Est-ce que, donc pour Félix notamment, est-ce que les jeux porte-plume, est-ce que le jeu, hein, il y a une petite faute de syntaxe, si je peux me permettre, Dadou. Est-ce que le jeu porte-plume a plus de chances de faire trembler les Asiatiques que les Européens? Actuellement, je dirais oui. Après, en soi, le jeu porte-plume, c'est un jeu qui est à moitié voué à disparaître, même si là tu vois deux joueurs exceptionnels comme Félix Dankyo, et ouais. Dankyu, donc l'Allemand. Mais en soi, c'est une prise qui est vouée à disparaître. Même les Chinois l'ont abandonné. Donc, moi, j'ai tendance à dire que tout ce qui est un peu différent, et évidemment, ça peut perturber plus qu'autre chose, parce que la prise porte-plume, tu vois ce qu'est capable de faire Félix, tu vois, au niveau au-dessus de la table. Il est capable de faire des choses qu'avec une prise normale, c'est compliqué de faire. Et en même temps, il perd pas le fait il a un super revers, malgré que la prise porte-plume soit réputée pour Ouais. être quelque chose qui Le est fameux avantageux revers pour le coureur. inversé. Donc en fait, c'est vrai que par rapport à lui,
sont ce qui fait que tu vois et que les avantages mais aucun inconvénient. Donc j'aurais tendance à dire que oui, ça peut permettre de les déstabiliser. Après, est-ce que c'est parce que lui est exceptionnel aussi? Je sais pas, je pense que oui. Si un jour j'ai Félix en live, je sais pas à combien il pense jouer en prise européenne. Si Je Félix sais pas, je il. dirais qu'il tape quand même pas Ouais, je mal, pense hein. qu'il est Mais chaud. je pense pas qu'il joue mieux que... Genre, si j'aurais mieux que son français, ça m'impressionnerait vraiment. Ouais. Ouais. Après, je C'est sais. déjà un très bon Ce qui est niveau. déjà vraiment pas mal, quoi. Hein. Moi, je Ouais, sais c'est. qu'en porte-plume, je dois jouer à peu près... Je dirais, et je joue pas mal. Quand je joue souvent, je dois jouer 400 à peu près. 400, ouais, 400. Ouais. Ce Ça, qui est tu joues pas si 400 en mal. porte-plume, toi? Ouais. Ce qui est C'est pas beau, si hein. mal. Tu pourrais jouer une 2. Alors, on en est au niveau question. Tamat, il te demande, bon, c'est un peu lointain, mais est-ce qu'il y a moyen que tu me passes un de tes t-shirts un jour à Rouen? Avec plaisir, hein. Franchement, si tu viens me demander, Matt, tu viens faut. voir Alex et tu lui dis c'est moi, Matt. Ouais, faut... c'est moi, Matt, régale-moi. Nostalgique du jeu de Soussine, ouais, ça c'est vrai que. Il y a des joueurs comme ça, tu sens qu'ils vont créer un vide quand ils vont partir, tu vois. Un mec comme Malong, qui va partir, franchement, comme Rafa, Roger et Djoko au tennis, tu vois. Ouais, Quand après, ils vont partir, ça va être dur. globalement, le niveau du ping fait qu'augmenter, hein. Je pense qu'on aura des mecs plus forts que Malong, hein. Ouais, moi je parle du. C'est pas tant fort, c'est surtout au niveau du système de jeu. Moi quand je les vois jouer, tu vois, je me régale. Il y a certains Ouais. systèmes de jeu, tu vois, un mec comme Lingyo Yuan, il est 4 mondial. Ouais, c'est Franchement, vrai. je le vois jouer, C'est j'aime vrai. pas quoi. Je me régale pas. Parce que c'est tellement dur, même Wang Chuqin, tu vois, le chinois, le gaucher qui est 3 mondial, c'est super dur à jouer, j'aimerais pas du tout me retrouver en face, tu vois. Mais à voir jouer, bah. Techniquement, c'est quand même beau, j'aime bien. Ouais, c'est propre, mais au niveau des. Il y a moins d'échanges parce qu'il est tellement dur sur les premières. Ouais. Tu vois, je trouve que les gens jouent tellement fort en fait maintenant sur les premières que au final bah, c'est compliqué qu'il y ait des Après, échanges. c'était aussi le but de la balle plastique, hein, justement d'allonger un peu les D'allonger les échanges. échanges, mais au final les gens jouent plus fort. Donc au final, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup plus d'échanges maintenant qu'avant. Donc ça me fait penser qu'à un moment donné, il pensait à éventuellement augmenter la hauteur du filet ou Ah même ouais. changer Ouais. la superficie de la table. Là, je serais peut-être pas avantagé sur ce Ouais, truc-là, toi, là. non, toi qui joues en vitesse. Mais par rapport à ça, ouais, au niveau des échanges, tu vois, un mec comme Malon qui joue en contre-initiative, ça donne quand même des points. Là, je sais pas si tu as regardé un peu en Allemagne. Ouais. Tu vois, sympa à voir quand même. Ça, bah le Malong, enfin, Félix, Malon c'est cool, Félix, hein. ça jouait bien. Félix Simon, c'est archi cool. Ouais, bah Simon, tu vois, Simon par exemple, un joueur comme ça. Putain, pour la caméra, c'est quand même. Ouais, c'est clair. Tu te régales. Bon, quand il joue bien, quand il joue pas bien, Ouais. et ça se met pas en place, il n'en pue pas une, mais C'est quand il joue ça. bien, franchement, le match, il était Ouais, incroyable. c'est génial. Tu vois, c'est ball hold, variation, contre-initiative, ça repart dans tous les sens, tu vois, c'est magnifique, Hein. quoi. Ça va manquer des joueurs comme ça à un moment. C'est clair. Arnaud, notre moto, il demande ton exercice préféré à l'entraînement. Mon exercice préféré, bah moi souvent je fais j'essaye de mettre une claque au début de l'entraînement, tu fais 3 points coup droit pour le déplacement, bah le coup Pivot, droit, coup droit, milieu, pivot. milieu, pivot, et après tu repars par le coup Plein droit, pouvoir. Ouais. ça fait du gros déplacement. Ça pour les jambes, je pense que c'est important de. J'essaye de me mettre, en tout cas, de me faire violence sur un entraînement par séance sur les jambes. Après j'aime bien aussi le 3 quarts revers, sur la Ouais. zone de la table. En Le déséquilibre. côté revers plus la moitié de Ouais. table coup droit, où en fait tu es sur la liaison et là c'est juste vraiment bien s'ajuster avec les jambes, bien garder la raquette haute, tu vois, un peu. Toi, à l'entraînement, t'es plus exercice de rythme ou schéma de jeu, service remise? Je suis plus exercice de rythme parce que c'est quelque chose où tu es focalisé vraiment sur toi-même et c'est plus simple à travailler en fait, y a pas d'adversité, Ouais, mais le mec pourtant. qui bloque. On sait très bien que service remise première, c'est archi Voilà, après moi important. j'essaie toujours sur mes exercices de rythme d'intégrer un service tout le Ok. temps, ça tu vois. Parce que c'est, on est d'accord que Donc un petit c'est. service court coupé, avec Voilà, 5 une pouces et remise, ça démarre ouais. et ça enchaîne. Souvent mes exercices, j'intègre toujours remise de rebond coup droit ou long revers. Comme ça au moins c'est quand même deux remises qui arrivent souvent. De rebond coup droit ou la longue revers, ça arrive souvent. Et après je fais un exercice de rythme. Mais après je suis d'accord que les exercices avec schéma de jeu c'est important, mais c'est moins cool à travailler. Ouais, c'est C'est clair. moins sympa. Moi perso, en tant qu'entraîneur, j'essaie d'en mettre de plus en plus, tu vois. Ouais, bien sûr. Pour être Mais en tout cas, de mettre toujours un service au début des situations, que ça soit n'importe quoi, hein, l'exercice de rythme, tout, c'est important. Et t'en fais quoi de
T'en fais quoi de la balle de rebond coup droit là? Tu la laisses sortir pour l'accrocher ou tu montes sur la table? Bah, ce qui est sûr, c'est que maintenant, la faire fumer dans le coup droit, faut... enfin, l'accrocher base dans le coup droit, ça marche plus. Parce Ouais, ça marche que plus. les mecs, avec la nouvelle balle, en fait, le rebond est trop parfait C'est ça. et t'es capable de la contre-topper facilement. Donc, il faut soit tu la laisses descendre et tu la mets en ligne, idéalement profonde, parce que sinon, le mec, il est capable de repasser au-dessus. Ou alors, il faut être capable de monter au-dessus de la table. Après, moi, j'aime bien la laisser un peu tomber, l'accrocher dans le revers. Après, le mec me la remet dans le revers et là, je peux installer mon jeu de vitesse. Ouais, beaucoup de questions les gars, c'est cool. Sabino, Sabino mon gazo, comment c'est il le prolo va? ça. Ça fait plaisir de voir ce genre phénoménal d'Alexandre. question de brocoli. Est-ce que tu aimerais jouer avec ton frère, donc Quentin, en championnat par équipe? Et après, ce sera quand ton équipe de rêve en championnat. Est-ce que tu aimerais jouer avec Quentin en pareil? Ouais, ce serait cool. Ce serait cool. Après, on avait l'occasion de le faire en soi. On aurait pu, hein. Il aurait pu venir à Chartres. Moi, j'aurais pu venir à Hennebon à un moment. Après, ça s'est pas fait. Je pense que c'est aussi. C'était bien comme ça, de faire chacun un peu notre chemin de notre côté. Mais pourquoi pas, franchement, ce serait cool. Après, maintenant, bon, lui, il est plus en Pro A, donc un peu plus compliqué. Mais ouais, ça aurait été sympa. Et ton équipe de rêve en Pro A. Alors, Actuellement? ouais, mais je sais pas si ta question brocoli c'est français ou avec les joueurs internationaux. Bah après, moi, je parle de mon équipe au niveau affectif ou au niveau des joueurs actuellement en Pro A. Après, faut Tu que veux tu... pas répondre, on Non, non, moi ça me va, répond je suis chaud de répondre, hein, pas de problème. Bah, je vais dire au niveau. J'ai toujours voulu, on a toujours voulu avec Stéphane Wesh et Antoine Achard faire une une petite team, team, tu ouais. vois, ça serait cool, mais bon, c'est quelque chose, en fait, tu peux le dire, mais Compliqué à mettre en ça place dépend quoi. des opportunités, ça dépend des clubs, s'ils veulent, s'ils ont les moyens, enfin, tu vois, c'est. Après Steph et Tonio ils sont dans la même équipe non? Ils sont la même équipe à Caen. Et puis même moi, là, tu vois, cette année, je me régale avec des joueurs français, Ouais. avec Sandkassen, Lilian Bardet. Moi, c'est vrai que pendant longtemps, à Rouen, j'ai poussé en interne pour faire venir des joueurs français, parce que quand même, l'expérience, c'est pas la même, tu vois. Moi, j'ai joué C'est clair. avec un Hongrois, un Indien, un Taïwanais. C'est sympa, tu vois, mais au repas, le mec, il est sur son phone Ouais. pendant... Bon, c'est pas la même expérience. Et cette année, tu vois, même si... Bah, c'est comme l'ambiance générale du groupe, même si les résultats seront peut-être moins bons que l'année dernière, parce que l'année dernière on a fait finale en playoff, et bah tu. Enfin, c'est plus cool, tu vois. Tu vas au match, tu passes du temps avec Ouais. l'équipe, c'est plus sympa, quoi. On en revient à la notion de plaisir. On en revient sur le plaisir, bien sûr. Et puis même, c'est quand même au niveau des souvenirs, si tu réussis à quelque chose avec cette équipe-là, tu en garderas plus de souvenirs. Est-ce que tu aurais un conseil pour progresser au service? Ouais. On t'écoute. Pour progresser au service, moi je pense sur les. Il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai remarqué, en fait, c'est surtout le premier qui l'a amené, c'est Lee Myung-joo, le gaucher. Ouais. C'est en fait ton premier bond pour donner de la vitesse au service. En fait, il faut qu'il soit hyper proche du bord de la table. Ouais, mais Donc, tu vois, on connaît ça, c'est un connu peu. ça. Ouais, mais pas sur les services courts. Sur les services longs, tu Ah, vois, c'était ouais. réputé de se dire qu'il fallait faire ça sur les Ouais. services longs. Mais en fait, si tu intègres la même chose sur le service court, et bah, en fait, la variation, elle est d'autant plus Oui, c'est efficace parce que vrai. c'est le même départ. Et tu regarderas un mec comme Lee Myung-joo, et bah son service court, en fait, il le tape vraiment le premier bond hyper proche de la table. En fait, tu sais jamais s'il va te faire un long ou un court. Ok. Et tu remarqueras Félix, c'est la même chose. Il sert aussi vachement comme ça, Félix, qui est un super serveur aussi. Ouais, comment ça Donc va? éventuellement, moi, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler un petit peu là, et que j'avais jamais remarqué avant. Et j'essaie de le sentir un petit peu là. C'est compliqué de changer carrément ta technique de service. Mais il y en a de plus en plus, je pense, à l'international qui le font et qui le sentent. Donc éventuellement ça, après là, on parle vraiment de haut niveau, quoi. Ouais, C'est c'est du compliqué. niveau. Si, moi, j'ai peut-être un conseil pour toi. Je n'ai plus qu'à poser la question. Brocoli encore, c'est encore toi. J'avais vu une interview d'Antoine Achard qui disait qu'il avait trouvé des services qui avaient progressé. Alors forcément, pour faire du panier de service, tu fais 20-30 minutes. Et en fait, des fois, c'est dur de rester concentré, tu vois, Ouais, 20-30 minutes au service, c'est franchement c'est spacieux. dur, c'est très dur. Et en fait, il disait que il trouvait des nouveaux services ou des sensations en brassant un peu les trucs, tu vois. Ok, j'essaye Ouais. de masquer mon effet, de trouver des nouvelles trajectoires. Et moi, je vous encourage à faire des paniers de service 20-30 minutes, hein, pas trop long non plus pour rester concentré. Et en fait, essayer des nouveaux trucs. Un service revers, Ouais, des nouvelles même sur le trajectoires. maquillage, tu vois, du Ouais, service, c'est ça. tu peux sentir quelques trucs. Après, Tonio, c'est quelqu'un qui était vachement qui manquait peut-être un peu ce truc-là. Donc, le fait de se mettre dans ce mode, en Ouais. fait, où tu sors de ta zone de confort, ça lui a permis d'avoir sentir des trucs, quoi. Ça dépend, je pense, de comment tu es naturellement, Ta quoi. personnalité, Moi, je ouais. sais que je l'ai assez naturellement, ça, d'essayer des services, Mmh.
Donc moi c'est plutôt tu vois être sur la être là, sur la rigueur tu vois plutôt penser au premier bond à ce truc-là. Et après, dans le cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et en fait, le fait de regarder les pros qui servent, etc., ça vous donne envie de faire les mêmes gestes. Donc, je vous encourage aussi à regarder les matchs des pros. Notamment, il y a des vidéos de service qui traînent partout sur YouTube. Franchement, ça vous donne Ouais, puis même des idées gestuelles. en Ouais, imitant c'est tu ça. peux C'est ça, c'est ça. Hein. trouver des trucs après bon je sais pas si pour la notion d'imitation il y a un joueur qui est turc qui joue comme Malon je sais pas si t'as tu vois pas il s'appelle Abdullah je sais pas trop quoi il est pas Ok. incroyable hein. Il est peut-être 300 mondial un truc comme ça et il joue comme Malon tu le vois jouer Ouais. c'est le même la même revers même coup droit T'as son nom ou pas? ouais Abdullah Tiens, vas-y, tape. On va regarder ça. Tu verras c'est un truc de fou hein. Vas-y. Et attends il a C'est lui? mais Abdullah Tebboune et même Malon je crois qu'il y a une vidéo ouais mais là on tombe sur ma langue c'est ça le problème Ouais. attends mets juste lui là pour C'est lui là? c'est ce gars-là là Ok. regarde Ah déjà ouais. même position Attendez, d'attente déjà on va vous le mettre. Donc c'est le mec en bas là. ouais bon après par contre attention c'est la version Wish hein. Ah Là ouais, il joue comme. Ah oui, c'est vrai. même Même service service. revers après ouais ça joue pas du tout Ah, il joue pareil en français, même Antoine. Alors. même position d'attente Ouais. la remise c'est pareil hein. Franchement moi je te jure c'est le rentrant le même Ouais. Franchement, Bon, je te il jure, a déjà un bon niveau, hein, mais. ouais, il joue pas mal. Mais bon, c'est pour dire que imiter, c'est bien, Ouais, il y a des limites. mais il y a des Il y a limites. de la Ouais. limite. Et je me dis, ouais, tu peux sentir quand même des trucs, C'est vrai, c'est c'est marrant fou, ça. hein. C'est vrai que c'est marrant ça. Après, par exemple, tu vois. Et il le dit ouvertement, hein, lui, Ah qu'il ouais? ouais, qu'il imite, hein, de Ah toute bah façon, c'est ça cool, se c'est voit. cool. Mais Le cache, Tony, ouais. Si t'as une question qui te plaît, vas-y, n'hésite pas. Comment dire? Moi qui suis un grand fan de Zangief, par exemple, j'adore ce joueur. Quand Fandenong est arrivé sur le circuit un tout petit peu après, il servait pareil, tu vois, c'était le Que même truc. Zangief? Ouais, Ouais, le même rentrant. service, le rentrant, la préparation. Donc il y a des avantages, mais faut pas faire que. Et Ouais, c'est bah vrai que par contre, il a depuis copié. c'est depuis c'est ouais, il joue pareil, Ah oui, de c'est ouf. fou. Mais depuis c'est quand même vachement il a fait son truc hein. Enfin, donc maintenant ça ressemble plus Oui, du non, tout à mais ce que oui. Zangief faisait avant. Et même à l'époque, c'était un mec qui est plus trop sur le circuit, c'est Fangbo, qui servait comme Malong en fait. Et c'était marrant de voir Fandenong et Fangbo arriver derrière Zangief et Ouais, qui Malong copie qui un marchent. petit peu, Ouais, tu vois, voilà. même des joueurs de ce niveau-là, en fait, ils Ouais. s'inspirent. Ouais, c'était marrant, c'est marrant. Et moi, je comprends pas comment un joueur comme ça, il peut pas mieux jouer s'il joue Ouais, comme Malon. ouais. Est-ce que dans les moments serrés, tu comptes, donc par exemple 9 teuf à la baie, tu conseilles de faire un service que tu n'as jamais fait pendant le match? Compliqué celle-là. Bah, ça dépend, en fait. Si c'est un joueur, si c'est un service que t'as jamais fait pendant le match, mais que tu fais à l'entraînement, oui. Si c'est un service que tu viens d'inventer sur le coup, non. Après, il y a toujours tous les joueurs, je pense, ont un service un peu spécial, tu vois, que tu sors hein, au moment serré. Que ça soit pour certains un service un peu plus faux, un service long, tu vois. Il y a Alors, toujours est-ce qu'on un... peut en parler après des services faux On peut en parler avec plaisir. Parce que des services faux, moi je trouve que c'est le fléau de notre sport. Ouais, il y en a de plus en plus hein, Toutes maintenant. les embrouilles, c'est services faux. Tout le monde, après, il y a beaucoup de tricheurs, tout le monde joue avec les règles, en pro ils disent rien. Bon, après, ils disent rien, les arbitres, ils sont Et pas. moi en fait, tu vois, je suis un peu brut de décoffrage là-dessus. Limite, j'ai envie qu'on enlève cette règle en fait. Qu'on puisse Qu'on resservir? resserre. Non. Ouais, mais il n'y aura plus de problème. Ouais, il y aura plus de problème, mais en soi, c'est juste que les arbitres sont pas. En fait, les problèmes des arbitres en France, c'est qu'ils sont Non, mais pas. même, moi, Ils enfin. sont pas. Ils connaissent pas vraiment Oui, l'immutable, bah, pour certains, hein, pas même pour les tous, arbitres mais. à haut niveau français, mais même tu vas faire des Tu vas tournois. sur des WTT, les arbitres, ils te les enlèvent hein, s'ils sont trop forts. Franchement, je te jure que si. Tu vas dans les grands tournois, Les pères Guérel, il a jamais pris un service Il a faux. déjà eu. Moi, j'ai joué avec lui dans l'équipe déjà, mais rien qu'en France, Ah ouais. on l'a dérangé plus d'une fois par rapport au nombre de matchs qu'il a joué. Pas énormément, mais il y a quand même eu beaucoup de fois où ils ont eu, où il a eu certaines remontrances au niveau des services, bien sûr. Il y en a quand même, c'est vrai, pas assez, parce que normalement, c'est quelque chose qui est interdit. Pour moi, Donc c'est ça le devrait être ça. règlement Mais bon, et. c'est toujours compliqué de. Et moi, je suis mal à l'aise, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Bon, moi, tu vois, personnellement, je sers du revers beaucoup, donc j'ai pas de souci de service faux. Mais même les serveurs faux, eux, genre, ils Ouais, mettent au sens tranquille, là. niveau éthique. Moi, je sais que quand j'étais plus petit, quand j'étais plus jeune, on me disait souvent que mon service pioche était faux. Ouais, alors Et les pioches, c'est souvent les problématiques. c'est souvent parce que du coup, t'es plus Tu vas amené ramener à le vers toi, ramener tu vers vas te toucher toi. un peu derrière. Et du coup, bah, depuis j'ai beaucoup moins de problèmes avec ça. Mais
fait, ça dépend en fait. La plupart des joueurs, les mecs qui servent faux, déjà ils sont convaincus que eux ils servent pas faux. Ouais. Déjà. Donc en fait, quand tu t'auto-persuades de quelque chose, bah forcément toi t'as rien fait. Pas tout le temps. Hein. Là, ils savent, ils le font. Franchement, hein. La plupart, tous les vicieux mecs dans notre sport. Joueurs. Même un mec, là on a eu un problème à Rouen contre Torigné avec Alamien. Ouais. Donc, lui qui est quand même réputé au moment important, il te sort des. Un peu des petits lapins, tu vois, un petit magicien, tu vois, il te sort un service qu'il a jamais fait, qui prend derrière le dos. Et ce gars-là, du coup, j'ai des collègues à moi qui sont dans l'équipe avec lui, qui parlent avec lui, et ce gars-là dit je ne sers pas faux, quoi. Ah ouais. Donc, tu peux lui montrer la vidéo, je pense qu'il y a plein de gens qui lui ont montré la vidéo, où ça se voit qu'il sert faux, quoi. Enfin, et il est convaincu que non. Donc, je pense que c'est de l'auto-persuasion, surtout. Hein. Je sais pas, moi, je peut-être pour certains joueurs, mais je sais qu'il y en a qui savent que c'est à la limite du règlement qu'ils le font pour gagner, quoi. Ouais, bah, y en a plein. Et ça, c'est un peu tristonné, donc les gars, c'est que du ping. Hein. Ouais, mais bon, le ping, au final, c'est quand tu joues au niveau, c'est plus que du ping, tu vois, c'est un métier. C'est, ouais. C'est comme si tu trichais sur ton boulot, quoi. C'est ça. Ah oui. Ah, bah, ouais. Donc, je sais pas, imagine un mec qui sert faux, il est en finale des jeux, il fait un service qui est illégal, Mais non, arrive à haut niveau quand même sur les WTT, tu te fais prendre tes services. Hein. Si t'es à la limite de tout ça, à un moment ouais, donné. Ouais, après c'est toujours. À un moment donné, ils avaient installé une sorte de VAR. Je sais pas si. Non, ça me dira. Ils avaient installé une sorte de VAR où l'arbitre pouvait aller regarder à la vidéo et okay. Le service. Sur certaines compétitions, il l'avait fait. Et je me souviens, je crois que c'était le chinois Ling Yuan qui avait été vachement embêté par ça. Et depuis, ils l'ont enlevé parce que bah, y a pas le matos nécessaire, sur toutes les tables pour le faire en fait. Mais tu vois, c'est compliqué. Cette règle est trop compliquée. Mais la solution de revenir en arrière, franchement, tu voyais les mecs comme ils servaient à l'époque, ça serait encore pire en fait. Il y aurait encore moins d'échanges. Parce que ça serait encore plus dur de remettre les services. Ouais. Non, mais oui, non, mais il y a des avantages et des inconvénients, je suis d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour cette règle? Il y a dura toujours des services. Bah non, mais c'est juste que les arbitres soient qualifiés pour. Pour gérer ça, si le mec qui fait les protos, imagine, je te donne un joueur étranger comme Alamien. Si il va en WTT, il se fait sauter des services. Si il joue le 3 jours après en France, il se fait sauter des services. Tu penses qu'il va continuer à le faire? Il va arrêter de le faire. Ouais. Après, tu fais quoi aussi des joueurs qui sont en tournoi, auto-arbitrage, niveau régional, départemental? Ça, tu peux rien faire. C'est que arriver à haut niveau où tu peux faire quelque chose. Comme au tennis, il y a des tricheurs aussi au tennis. Une petite question, est-ce qu'avec l'arrivée des frères Lebrun, tu trouves que le niveau en France en pro a augmenté? Ouais, bah bien sûr que oui. Là, le niveau cette année en pro, je pense qu'il a quasi jamais été aussi fort. Donc, je pense que ça vient des frères Lebrun parce que du coup, ça rajoute une équipe. Souvent, tu vois, l'équipe montante, c'était quand même une équipe qui était censée être moins forte que les autres. Et cette année, avec Montpellier, c'est une équipe qui va jouer le tableau finalement. Donc, en fait, ça bascule tout, ça décale tout. Et avec le retour de joueurs comme Pontoise, compris Freitas et Lim Jong, deux joueurs en top 20, Nbon, qui ont aussi deux joueurs quasi en top 20. Ça fait que même nous, tu vois, une écurie comme nous, un club comme Rouen qui l'année dernière fait finale du championnat de Pro, au final là, en début de saison, ça joue, le maintien, quoi. Ça joue vraiment le maintien, quoi. Après, si on joue bien, on va faire mieux, on peut finir, je sais pas, à 5-6e, mais en tout cas, on est plus du tout sur les espérances play-off, pas play-off parce qu'il n'y a pas de play-off cette année, mais podium. Il n'y a pas de play-off cette année? Non, okay. Non, avec l'année olympique, il n'y a pas. Question chelou, ça part mal déjà. J'avais une remarque de Gauthier, donc Frostil, qui nous dit WTT sont devenus vraiment stricts sur les services, surtout en Youth. Ouais. Et moi, je vais répondre à ça, Gauthier. En fait, donc pour avoir coaché sur les WTT Youth et tout, les arbitres, ils prennent la tête aux joueurs. Non plus sur. Donc là, il y a un vrai souci de formation des arbitres pour moi. Non plus sur le fait que tu sers derrière ton dos ou que tu caches. Mais juste sur, déjà, de bien montrer la balle, la paume. Si pour moi, c'est un truc qui est vraiment moins important. Ouais. Et le fait de descendre la main sous la table et de lancer. Ouais. C'est des choses qui sont beaucoup moins importantes en fait que de vraiment montrer la balle à l'adversaire quand tu touches au service. Donc il y a un vrai problème là-dessus. Il faut absolument, je sais pas, il faut qu'il y ait. Parce que c'est un bourreau des prises de tête tout le temps et à tous les niveaux. Hein. Tous les niveaux. Tu bavouderais où elle te fume à votre top niveau tous les deux. Tu connais Super Cookie? Non. Non, tu connais pas, je connais pas non plus. Super Cookie, non, je vois pas qui c'est. Mais je pense que je gagne quand même sur Audrey. Question. J'espère aussi. J'espère. Question chelou. Suis-je le seul à être à l'ouest quand je mange avant une compète? Est-ce que tu conseilles de manger avant les matchs?
Enfin, faut quand même manger. C'est pas dans. Idéalement, ce que j'ai entendu, moi, c'est que avant de jouer ton match, c'est mieux si t'es pas en phase de digestion. Tu vois. Donc, à moins que ce soit quelque chose de léger, type une banane, des, je sais pas, des noix, quelque chose comme ça, c'est pas grave. Mais je vais pas te conseiller de te prendre un kebab 20 minutes avant ton match, quoi. Donc, non. Idéalement, essaie de pas manger. Mais si c'est des aliments qui sont hyper facilement gérés par l'estomac, ça peut, c'est possible. Moi, Dadou, je te conseille, par exemple, si comme toi, je sais que tu joues le vendredi soir, si tu joues à 20h le vendredi soir, tu as bossé toute la journée, au lieu de manger ton repas à midi, tu le prends à 14h, et après tu manges pas le soir, et tu seras en forme. Tu peux prendre un petit goûter, si tu veux, une petite collation à 17. Mais voilà. Tu m'as pas écouté vendredi soir. T'as la rêve de super cookie ou pas? Apparemment, t'étais avec lui vendredi soir. Tu m'as pas écouté vendredi soir? Type, je sais pas, t'as épinglé le. C'est fait exprès ou pas, type, d'épingler le message de Frostilk? Vendredi soir? J'ai pas la ref là, je l'ai pas. Ok. Tu penses servir combien de la main gauche? C'est ma question en vrai, je Ouais, pense tu servais que. pas mal. Et attends, il faut que je retrouve cette vidéo. Attends, je vais la retrouver. Je pense que je dois servir 300, comme ça je pense. Numéro 300 français. Ouais, quand j'étais entraîné là, du coup, je me suis beaucoup moins entraîné. Elle est sûre. Ouais, je sais qu'elle y est, mais où? C'est une bonne question. Ah, tu t'es blessé là, je me souviens, contre Assar. Du coup, c'est quand il parle de ma blessure, donc ça va être là, ouais. Ça doit être là, je pense. Un peu, non, là, c'est l'entraînement, un peu plus loin. Là, c'est quand je reprends la raquette. Là, on va parler après, ça va être dans le coin. Non. Torse-poil. Ouais, là, parle de ma blessure. D'ailleurs, je vous la mets, hein, ceux qui n'ont pas vu, il y a une super vidéo d'Alex faite par Alexis Zikria sur sa remise en forme après sa blessure, son entraînement, sa routine. Ouais, sur le parcours un petit peu. Et il y a une vidéo où il sert main gauche C'est un peu plus loin après, il me semble. à Tours. Hein. Super coquille, tu l'aurais vu à Ouais, Tours. je sais, bah du coup, vendredi soir, j'étais à Tours, mais. Ouais, trop en ce moment ou quoi? C'est bizarre que. Ah. Ouais, ça c'est la fameuse blessure, oui. Ah, c'est là, ça doit être là, ça doit C'est être dans le bon. camp. Picard de dans le four, je reconnais ça. Picard de mes enfants. Excellent. Quand t'as la flemme de cuisiner. Non, là tu joues. Ah, je l'ai joué lui, l'espagnol 200. T'es de la N1 ça? T'as Ouais, pas c'est de la de la. Bah, N1? j'avais fait un petit match de N1 pour reprendre un peu les Ouais. compètes. On l'a pas, hein. On l'a pas, je sais pas, je Si comprends ça se pas. trouve, elle est Peut-être pas. c'était dans un extrait qu'il Dans avait mis. l'extrait, peut-être? Ouais. Non, non, elle est pas. Hein. J'étais persuadé de l'avoir vu. Ouais, moi aussi. Non, elle est pas bon. En tout cas, oui, Alex a bien servi main gauche. L'examen pratique pour arbitre régional et franchement, les GIA ne sont pas trop regardants sur le service. Les formateurs disent que ça ne dérange pas trop l'adversaire, on peut laisser passer. Ouais. Bon, tu vois, déjà, c'est à partir du moment où tu commences à Ah, dire donc les qu'il n'y a pas de formateurs, règle. ouais. Tu vois, quand les formateurs Ça, c'est commencent à te dire ça, problématique. bah voilà, Et moi, les gars, franchement. ça montre le problème. Enfin, là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de dire plus. Franchement, ça. Tu vois ce que tu dis, Walid, là, c'est terrible. Hein. Ouais. C'est. Ouais. C'est terrible. Ça montre qu'en fait, c'est vraiment si tu te plains qu'il y a une incidence, et en fait, sinon, il n'y a rien. C'est horrible, Mais mais donc, c'est pour ça. ça Je laisse reviens, nous, méchant. quand on a joué à la mienne à Rouen, bah, il en a fait un, on s'est levé tous, Ouais. et on est allé voir l'arbitre, on lui a dit Il que faut, il c'est faut. écoute, c'est pas possible. Parce que le seul moyen, c'est si tu fais ça, si tu fais pas ça, en fait, ça veut Et dire que mais tu tolères. il y a des joueurs qui osent pas aussi, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr, moi, peut-être que tu vois, si j'étais. Là, j'étais à domicile, t'as le public avec toi, c'est quand même plus simple. Mais le truc, c'est que si tu fais ça, c'est toi qui passes pour le mec C'est ça, alors que c'est l'autre qui qui fait triche. siffler, alors que c'est l'autre Exactement. qui Je suis siffle, tu entièrement vois. d'accord avec toi. Donc, et en fait, ça veut dire que vraiment, si tu fais pas. Et encore, on y allait en équipe, c'est-à-dire que on l'a tous dit. Mais s'il y en a qui s'en foutent, et ben en fait, toi, tu passes pour le connard qui dit quelque chose. Alors qu'au final, c'est lui qui. Tu vois, C'est c'est le clair. mec. Donc, ça, c'est. Mais Je c'est suis dommage, hein, entièrement franchement, d'accord avec les. toi. Et c'est trop problématique. S'il y a des arbitres, les gars, qui nous regardent, on est monté à 60, presque 70 là, s'il y a des arbitres. Ouais, c'est surtout quand c'est évident, S'il quoi. vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis, il y a certains Et joueurs qui sont quand même je sais que c'est réputés. pas facile hein, d'être rapide, c'est ça, c'est beau hein, de faire ça et Ouais, et tout, c'est puis, ouais, sympa. sûr. Mais là, si vous êtes à niveau professionnel, c'est la vie. Enfin, c'est la. Oui, c'est. Les joueurs, c'est leur vie en fait, le ping. On peut pas Tu peux pas gâcher comme tolérer en ça. fait. Faut même si d'autres le font pas en fait, si tu penses que. Après, je suis d'accord que si personne se plaint et que ça va à tout le monde, bon, pourquoi créer un conflit quand t'as pas forcément besoin de créer un conflit? Mais si c'est évident, Ouais, ouais, tu ouais, vois quand même.
Il y a un certain seuil de tolérance, c'est-à-dire que tu vas pas le faire chier s'il est au millimètre près, mais bon, Ah, quand quand c'est même ça se abusé, c'est voit, abusé. quand c'est abusé, c'est abusé. Parler du drama avec Alexandre Cassin sur son Facebook. Non, on n'en parlera pas, Kusami. On n'en parlera pas. De la zone de l'arbitre, j'ai pas l'impression qu'ils ont une bonne vision sur le service. Bah, en fait, dans la plupart des matchs de pro, maintenant, il y a deux arbitres. Bah, tout le temps, en fait. Deux arbitres. Tout le temps. Ouais. Et donc, il faut savoir que l'arbitre principal n'est pas celui qui met les scores au marqueur, c'est bien celui qui est assis sur l'autre chaise, celui ou celle d'ailleurs, qui n'a pas de marqueur. Ça, c'est l'arbitre principal. Donc, lui, il est forcément bien placé au moins un 7 sur 2. Ouais. Et après, c'est quand même l'autre set où il est mal placé, c'est l'arbitre qui met le score qui doit lui Voilà, c'est regarder. Donc ça. un 7 sur 2, en fait, ils alternent. C'est ça. Et donc il y a forcément un set où l'arbitre peut faire quelque chose. Et à partir du moment où il l'a fait sur un set, forcément que. Ouais, bah c'est ce que tu moi c'est quand il y a eu cette histoire-là, c'est ce que j'ai dit à l'arbitre, j'ai dit bah là c'est pas à toi, mais sur ce set avant c'était à toi, et là tu vas voir l'arbitre qui lui va regarder le service C'est ça. sur le set et tu lui dis bah voilà maintenant c'est à toi de regarder, et donc au moins tu peux pas lui dire de retirer le point, mais au moins tu te dis bah, concentre-toi, c'est maintenant quoi. Bah ouais, c'est clair. Alex Millot qui nous demande ton top 5 all-time. Joueur, alors je sais pas, c'est joueur, j'imagine, Alex. Ouais, je Joueur, pense. bah, joueur, vas-y, joueur, mec, all-time. Des goûts du sport? Oh, ping, ouais. Ok, bah Malong, hein, Ouais. Ah forcément. ouais, numéro 1 Malo. Ah ouais, sans discussion, il n'y a Ok. même pas de discussion possible. Zhang Jike, il doit apparaître là-dedans, je dirais en 2, je pense. Et ensuite, Valner, il est dedans aussi, à coup sûr. Obligatoire, européen, champion olympique, champion du monde. J'avais cette discussion en plus il n'y a pas longtemps, donc E3. Ouais. Ensuite, je mettrai un autre chinois style Liu Guoliang ou Kung Linghui à l'époque. Pareil, Ouais. champion olympique, champion du monde en C'est fait. vrai. Donc je mettrai un des deux. Et en fait, moi j'aurais bien envie de mettre Timo, mais il n'a pas gagné les jeux, il n'a pas gagné Ah de mais championnat du c'est monde, tu vois. pas. Donc c'est pas possible de le mettre. Je mettrais bien Ong Lee Kin aussi, il est quand même 3 fois champion du monde. Mais. Donc Malong, Zhang Valner, ça Valner, c'est Kong top. Lingui, Liu Goliang. Kung Linghui, Liu Goliang, je les Ouais, mets, c'est la c'est même génération, je les mets en 1, machin, et je les mets comme un joueur, et Wang Likin en le dernier, en 5. Ouais. Pas gagné les jeux, mais il est quand même 3 fois champion du monde. Il y a Walid qui s'est abonné avec Prime. Merci beaucoup Walid, tu fais partie de la team maintenant. T'as un petit badge. Merci pour l'abonnement, ça fait plaisir. Team notre modo, il nous demande, Didi Salabel, tu fais quel service? Ça dépend, moi j'ai deux services, cher, soit pioche, soit latéral. T'entends? Ouais, donc si pendant le match, normalement, il y a un des deux services qui se dégage, tu vois, de l'autre, ou qui marche le mieux, ou alors j'alterne entre les deux. Mais 10-10 à la belle, je dirais soit je pars sur un pioche liftant le coup droit, sur droitier. Dévoile pas tout, non, bon après. Et après, je me recule un petit peu pour attendre le flip. Ou alors, je pars sur un service ouais, latéral court dans le couloir en fait, pour essayer d'éviter le mec qui banane, qui vienne Ouais. avec sa remise de revers et de prendre une pression directe. Donc, ouais, je dirais ça. Après, si t'es chaud, un petit service long. Mais moi, je suis un peu plus safe quand même sur ces moments-là. Hein. Je suis une petite serrure. T'as Vincent Picard qui note là, il vient de marquer une étoile. bon service mou détrône tout bon service. Je suis pas sûr de l'info. Pas certain. Pas À sûr de vérifier l'info. quand même. Hein. Pas sûr de l'info. Bon, il est presque 23 h. C'était pas mal. Ouais. Tu veux répondre encore à 2-3 trucs ou pas? Non, non, c'est bon On là. est On est bon bien, là. ouais. On a fait le tour, hein. On a fait le tour. Bah écoute, on va conclure. Bah écoute, ouais, c'était un plaisir. Ouais, on va conclure. S'il y a moi une question pour terminer, est-ce que tu vas faire les France cette année? Oui. Ouais. Ouais, je suis qualifié déjà en fait, comme je suis dans les T'es 16 au combien d'ailleurs là, classement. classement France? Classement, je dois être 6-7. T'es 7 France là? Ouais. Et avec les étrangers, tu dois être 20, 25, 23, je crois. 23. Ça. T'es un bon joueur Ouais, en fait. je se débrouille, On se hein. débrouille hein. C'est cool, c'est cool. Tu pourras mettre la redis sur YouTube. Ouais, il y aura toute la redis sur YouTube et sur Twitch aussi, vous aurez accès. Et ben, merci à tous d'avoir été là. On est monté à 65, si je dis pas de bêtises, ce qui est le record, ce qui est magnifique pour du ping sur Twitch. C'était génial, merci, t'as été Ouais, franchement top. super réactif et tout. C'était super intéressant l'échange qu'on a eu. Merci à tous d'avoir posé vos questions. Merci d'être venu encore. Bonne chance à toi pour ta saison. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là?
Bon, déjà que j'ai pas de blessure, hein. Franchement, Ouais. moi, c'est vraiment le truc que je me dis chaque saison, que je me blesse pas, ce serait déjà bien. Et puis après, aller chercher quelques victoires Un bon ratio en en pro. bon ratio en pro, ouais. Au-dessus de 50%, ce serait bien. On suivra tout ça. Et puis. Tram live, c'est quoi ça? Tu perds. Oh, merci Bartépong pour le follow. C'est cool. T'as Gauthier qui dit pas de ski avant les Ah non, là, vacances. ça c'est cet hiver, non. On reste au chaud. Merci à tous les gars. C'était cool. J'espère que vous allez arriver motivés cette semaine pour les entraînements club. Merci encore Alex. C'était génial de t'avoir. On suit tous tes matchs et on se dit à très bientôt. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, j'ai la C'est rêve de là? sugar cookie, c'est bon. C'est bon, tu l'as Ouais, fait. de super Merci cookie. Alex. Ciao mon rube. Avec plaisir les Ciao les gars, gars. force à vous. Bonne soirée à tous. Ciao ciao.